De 70 cm, des chaussures à crampons sur un terrain recouvert de gazon. Il n'y a pas qu'un football, il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Nous offrons 20 000 ballons en gomme recyclée aux fans de football. Orange Sponsor Change. Et voici le 11 de départ des Burkinabés. Le 11 de départ concocté par Malou, donc avec dans les buts Kofi. Un retour à signaler, le retour du capitaine Bertrand Traoré qui était malade du Covid. Mais le reste de l'équipe, Bandé en pointe avec Bayala au milieu de terrain, le trio Touré, Sangaré et Guira. Et puis en défense, le retour également d'Issoufou Dayo qui revient lui aussi. Et voilà, c'est Top Soba aussi, le joueur du Bayer Leverkusen. L'un des cadres de cette équipe du Burkina Faso. Et le match sera arbitré par Bamlak Tessema. Coup du destin ou l'histoire qui bégait,
C'est lui qui avait arbitré la dernière demi-finale du Sénégal au Caire, Sénégal-Tunisie, et il avait porté bonheur à cette équipe du Sénégal. Et voici le 11 de départ de Aliou Cissé. Le 11 de départ de Aliou Cissé, pas beaucoup de changements, sinon deux. Le retour de Cheikh Opiaté comme titulaire au milieu de terrain. Également, la surprise peut-être du chef avec la titularisation de Bamba Dien sur le côté droit en remplacement de Boulaïdia, blessé en tribune. On se demandait si Ismaël Sarr allait jouer, mais il est sur le banc. Certainement, il n'est pas encore totalement prêt pour disputer 90 minutes. Kamou Malo, 59 ans, il est en poste sur le banc burkinabé depuis juillet 2019. L'officier de police, hein. Ouais, là, c'est Aliou Cissé qui est sur le banc du Sénégal pour la 73e fois ce soir. Ouais, Aliou Cissé, et voilà, une 73e fois pour l'histoire, hein, puisqu'en cas de qualification finale, c'est la première fois qu'un entraîneur qualifiera le Sénégal deux années de suite, deux cannes de suite en demi, en finale. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais. Un match important, une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le thermomètre affiche 23 degrés et le taux d'humidité est de 56%. Beaucoup d'ambiance ce soir dans la cuvette au quartier du Fandena. Ouais, il faut signaler qu'il a plu, hein, cet après-midi. Il a beaucoup plu, même si depuis plus d'une heure, il n'y a plus de gouttes d'eau. Mais cela va contribuer à déjà arroser la pelouse et puis sans certainement... Ça peut être un danger aussi pour les gardiens. Et c'est parti pour la troisième confrontation entre le Sénégal et le Burkina Faso en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la défense burkinabé qui renvoie. Ça va partir vite en contre du côté burkinabé. Le bon retour de Kouyaté, le tacle de capitaine Koulibaly. Ouais, tout de suite, la vitesse des Burkinabés. On le savait, c'est des joueurs qui sont extrêmement dangereux dans les transitions. Défense, attaque, ils sont très rapides devant, c'est de véritables flèches. Il va falloir être extrêmement vigilant dans cette partie. Ouais, on l'a vu lors du quart de finale face à la Tunisie avec le but de Dango Ouattara. Lui qui a été exclu en fin de partie, il n'est pas là. Là, on relance long Sangaré. Sangaré avec Bertrand Traoré. Bertrand Traoré contré. Non, c'est une sortie de but en faveur des Lions du Sénégal. Pas de round d'observation. Bertrand Traoré qui fait partie de ces joueurs qui ont une petite revanche à prendre sur le Sénégal. Il a disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde entre le Sénégal et le Burkina. C'est vrai, il n'y avait pas eu de victoire, mais l'arbitrage de la FIFA pour le match entre le Sénégal et l'Afrique du Sud leur a peut-être d'une certaine manière porté préjudice. Et certainement, c'est le genre de choses qu'il garde en tête. Salut Cis, le centre... Pour personne, si ce n'est pour Hervé Kofi. Salut 6, auteur de magnifique contrôle orienté, la poitrine, lors du quart de finale contre la Guinée équatoriale, le pressing de Bamba Dien. Kofi, contrôle orienté du gardien des étalons. Ça va être important, le premier rideau défensif, ce sont les attaquants, de tout de suite mettre la pression pour empêcher la relance du côté burkinabé, ou du moins gêner. En tout cas, c'est extrêmement important, les ralentir le maximum, essayer de les contenir dans leur zone. Et là, c'est Issoufou Kaboré, qu'on a vu en gros plan, Edouard Mendy avec Koulibaly, le pressing de Bertrand Bounassar. Bounassar qui a voulu jouer avec Bamba Dien, et c'est Steve Yago qui a renvoyé ce ballon. Koulibaly à nouveau. Les Burkinabés qui pressent haut. Sur ce plan-là, on voit 5-6 joueurs burkinabés dans la moitié de terrain sénégalaise. Absolument. Il n'y a pas de peur dans cette équipe du Burkina, parce qu'entre le Burkina et le Sénégal, vous l'évoquiez, les matchs en phase finale de la Coupe d'Afrique. Mais attention, gros choc. Ouais, gros choc. Ouais, gros choc entre Nampalis Mendy et un joueur burkinabé. Il se tord de douleur. Ah oui, ça fait très mal. C'est Cyril Bayala en ce début de partie. Nampalis Mendy qui a été élu homme du match face aux Équato-Guinéens. Oui, il a fait une excellente partie. Là, on revoit le choc. Ouh là là, ouais. C'est Cyril Bayala qui vient le percuter. Ouais. Tête contre tête. Et ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. En espérant que ça ne fasse pas les mêmes dégâts. Ouais. Que lors du match entre le Sénégal et le Cap-Vert, entre Vosinha et Sadio Mané.
Ouais, je vois Cheikh Oukiati qui se tient la tête, apparemment. Ouais, c'est assez grave. C'est grave. Ouais. Et regardez l'image, Malou et sa bouteille d'eau. Il y a une histoire avec cette bouteille d'eau. Depuis son premier match, il est venu avec une bouteille d'eau. Il l'a emmené au vestiaire, il l'a ressorti, il est venu sur la pelouse. Il a gagné. Depuis lors, il ne se sépare jamais de sa petite bouteille d'eau. L'ancien officier de police, qui d'ailleurs a un de ses fils dans l'équipe. Patrick Malou. Voilà. Et on demande le changement. Hein. Ah ouh. On demande le changement côté sénégalais. C'est grave cette blessure de Nampalis Mendy. Et c'est Pape Gueye qui va prendre sa place. Ah, ça, c'est un coup dur pour le Sénégal en début de match. Ah ouais, Vous perdez un joueur comme Nampalis Mendy sur blessure, après seulement 2-3 minutes de jeu. Aliou Cissé en discussion avec son adjoint Régis Bogard. Ouais. Il va falloir surveiller ça de très très près, la situation de Nampalis Mendy. C'est vrai que le choc a été violent. Après, bon, ils vont peut-être pas s'empresser de faire le changement. Mais si c'est la pommette, j'ai l'impression d'avoir aperçu une bosse. Mais on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, Pape Gueye, lui, s'échauffe et va certainement... Ouais, il faut prendre les devants. Ouais. Il faut prendre les devants. Et puis, le staff médical va donner la bonne info au coach pour pouvoir faire ou non le changement. Il se relève. Je pense qu'il va revenir. Ah, plus de peur que de mal. Bounassar Kouyaté avec Kalidou Koulibaly, Kanegueye face à un bloc burkinabé bien regroupé. Mané prise en sandwich et il provoque la faute. Ouais, ça c'est du Sadio Mané qui tout de suite prend les choses en main dans cette partie. Il a fait une très très bonne première période lors du premier quart de finale contre la Guinée équatoriale avant de plus ou moins lever le pied en seconde période. Mais déjà, il avait donné une passe décisive, avait donc contribué à la victoire du Sénégal cet après-midi. Tout de suite, il prend les choses en main. Il est déjà buteur face au Burkina en éliminatoire de la Coupe du Monde, lui et Ismaël Assar. Et du côté des étalons, c'était Bertrand Traoré et son grand frère Alain Traoré, ouais, qui avaient marqué à Ouagadougou lors du fameux 2-2. Et là, c'est Saliou Cisse et Kanegueye qui sont devant la balle pour tirer ce coup franc du Sénégal. Saliou Cisse au premier poteau, à ras de terre, Sangaré, Kouyaté qui se bat pour gratter ce ballon, Bambadjan avec Bounassar. Bounassar à l'opposé et Kabore. Lati Touré. Et le pressing de Sadio Mané pour mettre le tacle. Bambadjan qui recherche Famara Diédou. Là, c'est Tapsoba qui s'appuie sur Kabore. Saliou Cisse, le centre. Il a manqué un peu de lucidité au moment de faire le dernier geste. Trop fort. Il avait réussi à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Malheureusement, le centre était un peu trop appuyé. Voilà. En tout cas, le ballon a rebondi. Il apporte ce plus offensif-là. C'est monté fond du bien à cette équipe du Sénégal. Absolument. Ouais, Iago. Attention, Koulibaly. Avec Nampalis Mendy, les Sénégalais qui ne sortent pas le ballon et c'est fait par Nampalis Mendy. Et Nampalis, il va quand même falloir le surveiller. Regardez, il a un peu la tête baissée. Ouais. Est-ce qu'il pourra tenir? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une maladresse de Kalidou Koulibaly au moment de dégager le ballon, c'est pas méchant. Devant Hassan Bandé, ancien joueur de l'Ajax. L'arbitre éthiopien qui avait également arbitré le match Sénégal-Malawi, qui est un arbitre qui parle beaucoup avec les joueurs. Même si parfois je le trouve un peu trop tatillon sur le carton jaune qu'il donne par exemple à Cheikh Oukiati après seulement une quinzaine de minutes de jeu, c'était un peu sévère, je trouve. Ouais. C'est lui qui avait donné à Koulibaly le carton qui le prive de la finale en 2019. Ouais. Bamlak Tessema. Heureusement, ce soir, Kalidou n'est pas sous la menace d'une suspension en cas d'avertissement. Ouais. Le seul joueur qui serait sous la menace, c'est Pape Gueye.
Salucis et Nampalis Mendy. Ouais, Pam Gueye, Salucis et Nampalis Mendy, voilà. Et côté burkinabé sur le 11 de départ, 7 sont sur la menace d'une suspension en cas d'avertissement dans ce match. Dayo avec Tapsoba, le défenseur du Bayer Leverkusen. Steve Yago, l'ancien joueur de Toulouse. Yago avec Tapsoba. Tapsoba qui relance à destination de Bayala. Salucis qui met le ballon en touche. Ouais, finalement, le stade qui se remplit hein, petit à petit. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'on soit qu'on ait atteint les je pense qu'il y avait 15 000 environ. Hein. 17 000 et quelques. Ouais. Hein. Yago. Attention. Yago, mise au sol par Koulibaly. Bertrand Traoré, la frappe contrée. Et tout de suite, les joueurs sénégalais sont montés sur le capitaine du Burkina. Ouais, il a une très très bonne frappe, Bertrand Traoré. Il est rapide, il est technique, il est capable de changer de direction en pleine vitesse. Ouais. Donc c'est un joueur qui va, sur qui il faudra faire très 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 attention. L'empêcher surtout de prendre les espaces, de prendre l'intérieur parce qu'il peut faire des dégâts. Même si c'est pas, il ne réussit pas sa meilleure saison avec Aston Villa. Ouais. Pour l'instant, seulement 5 matchs, 6 matchs de championnat, ouais, il est zéro but marqué. Il est gêné par une élongation. Ouais. C'est d'ailleurs cette blessure-là qui l'a privé de quelques matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais hier, il s'est bien entraîné lors de la dernière séance du Burkina Faso. Et son grand frère Alain est maintenant du côté de Djibouti. Ouais. Après un passage dans le championnat marocain, ballon craté par Nampalis Mendy, Abdou Diallo. Diallo, solide derrière le défenseur du PSG, Salucis. Diallo à nouveau, le pressing de Bertrand, non, il préfère jouer avec Edouard Mendy, qui joue son 19e match avec le Sénégal ce soir, le gardien de Chelsea. Qui a encaissé un but lors du dernier match, ce qui n'a pas plu à Aliou Cissé. Il regrette que ce but-là soit arrivé. Il n'avait rien à reprocher à ses joueurs, Mané vers c'est le mieux quand on garde sens de la marche. Aïe, et au dernier moment, c'est Tapsoba qui vient concéder le corner devant l'attaquant de but des Lions du Sénégal. Ouais, qui a un peu manqué son contrôle de l'extérieur du pied. Et la passe aveugle de Sadio Mané. On va aller jouer avec Famara Diédjou. Ouais, on joue le leadership de Sadio Mané qui s'affirme de plus en plus dans cette équipe du Sénégal. Et il a envie de jouer la finale, tout comme l'ensemble du groupe. On veut aussi du peuple sénégalais. Mais il va falloir sortir un gros match ce soir face au Burkina Faso pour y arriver. Famara a un très bon jeu de tête. Ouais. Tous les rangs sont montés sur ce corner. C'est parti au premier poteau. C'est sorti par Bertrand Traoré. Il y a une faute sur Salucis. Non, Bertrand avec Sangaré. Sangaré, là on essaye de rechercher devant Bandé. Et là on met le ballon en touche par l'intermédiaire de Nampalis Mendy. Ouais, qui dans les bases arrêtées joue un peu le rôle de libéro à cause de sa petite taille et surtout de son explosivité également. Ouais. 1m64, Nampalis Mendy. C'est vrai que sur les balles aériennes, il ne pourra pas être décisif. Il ne pourra pas faire grand chose. Mieux vaut rester derrière pour couvrir la montée des deux défenseurs centraux. Bouna Sarr qui prend le dessus sur Yago. Yago avec Hassan Bandé. Bandé, ouais. Le pont sur Koulibaly. Et Koulibaly qui ne fait revenu, pas de faute. Il est très bien revenu pour concéder le corner. Ouais, c'est pas mal. Il a effectué après avoir été battu dans un premier temps. Il s'est battu pour revenir encore. Il défend debout. Ouais. Défenseur très intelligent. Ouais, même si. Il aurait peut-être pu y avoir faute sur cette action parce qu'il a poussé son vis-à-vis. Ouais. Hassan Bandé déjà buteur dans cette CAN. Hein. Il a marqué un but. Gustavo Sangaré pour tirer ce corner. C'est parti, sorti par Famara Diédjou. Kaboré de la tête. Abdou Diallo et le dégagement de Salucis. Loin devant.
Ali Cissé qui demande au bloc de remonter. Ouais. Hervé Kofi. Remonter. Mais avec intelligence. Tapsoba. Sans risquer de se faire prendre dans le dos. Sangaré. Sangaré pour personne. Petite mésentente avec Bertrand Traoré. Aligné en pointe hein, ce soir par Kalou Malo. Le Burkina qui va devoir faire sans le buteur du match contre la Tunisie. Dango Ouattara exclu à 7 minutes de la fin pour un vilain geste sur un Tunisien. C'est un groupe en reconstruction depuis l'arrivée de Kamou Malo. Il n'y a que 7 jours de l'édition de 2017 par exemple. Salut 6 dans une de ses montées. Salut 6, la frappe du droit. Ça n'est pas passé trop loin. Ah, c'était bien joué, bien amené par Salut 6, le latéral gauche des Lions du Sénégal. Il est confiant, il est en confiance Salut 6. Il fait de super matchs depuis son arrivée dans cette CAN. On rappelle qu'il n'a pas joué le premier match parce qu'il fait partie des joueurs qui étaient covidés. Le deuxième match, il est venu, il a fait un très bon match, mais on a dû le sortir parce qu'il n'avait pas encore. Ah là là, faute. Ouais, la faute de Adama Guira sur Nampal Ismendi. Adama Guira, c'est le joueur le plus âgé côté burkinabé, 33 ans. Souvent barré en sélection par un certain Charles Caboret, qui n'est plus là. Ah, Charles Caboret, l'excellent milieu défensif des étalons. Ouais, joueur le plus capé de la sélection, avec 102 sélections, Charles Caboret. Les beaux jours de l'Olympique de Marseille avant de rejoindre la Russie. Cuban Krasnodar. Allez, un peu de nervosité côté sénégalais avec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il avait soufflé faute. Dans un premier temps. C'est la raison de la colère de Nampal Ismendi. Il avait tiré déjà. Il avait sifflé la faute sur Nampal Ismendi et finalement, on ne comprend pas. Bounassar avec Koulibaly, pressé par Sangaré, Hassan Bandé, devancé par Nampalis, faute sur Kouyaté. Ah, ils sont très agressifs dans ces 15 premières minutes. C'est le jeu du Burkina, c'est des joueurs qui sont, on l'a dit tout à l'heure, il y a 7 joueurs qui ont un carton jaune parce qu'ils commettent beaucoup de fautes, ils mettent beaucoup d'impact dans leur jeu. Ils n'hésitent pas à aller au charbon, ce qui fait que c'est une équipe. Bon allez, la moitié des joueurs sur la pelouse est menacée, mais ils ne vont pas faire de calcul, ça c'est clair. Ça se comprend, hein. Le coach est un officier de police, hein. Ouais, c'est ça. Kamou Malo, qui a préféré laisser tomber un concours pour devenir commissaire. Et en lieu de place, il est allé faire une licence en Allemagne. Ouais. Le jeu du contrôle orienté puisque... de Bambadjian. Bambadjian avec Kouyaté. Le centre de Kouyaté directement sur Hervé Colli. Je ne sais pas s'il a voulu centrer ou s'il a voulu tromper le gardien. Je pense qu'il cherchait peut-être à jouer au deuxième poteau. Mais ce n'est pas sa qualité première. Il me semble qu'il rate le centre. Ouais, c'est ça. Bounassar. Oh, il fallait jouer avec Bambadjian en première intention. Il a préféré garder le ballon. Bambadjian. Ah, magnifique. Ah, il nous régale avec de jolis contrôles orientés. Bertrand Traoré vers Gustavo Sangaré. Sangaré, le premier buteur de cette CAN. Il a vu l'appel de Bertrand Abdou Diallo. Bertrand du droit et Edouard Mendy était sur la trajectoire. Ouais, voilà le jeu des Burkinabés. On l'a dit tout à l'heure sur les transitions défense-attaque. Ils sont très rapides. Sadio Mané. Mané qui garde le ballon. Mané a une option avec Bamba. Il prévient frapper directement sur Hervé Kofi. Il a voulu répondre à Bertrand Traoré. Est-ce que c'était la meilleure option? Non, parce que Bambadjian était complètement scellé et totalement seul. Il aurait pu jouer avec Bambadjian. Bertrand face à Koulibaly. Koulibaly qui prend le dessus. Salut 6. Un match qui s'emballe d'un camp à l'autre. Kanegueye vers Bambadjian. Le contrôle en extension. Difficile geste. Steve Yago. Le ballon qui n'est pas sorti. Yago avec Blati Touré. Élu trois fois homme du match dans cette CAN. Blati Touré, c'est le maître à jouer
du côté burkinabé. Le natif de Boaké, hein, il est né en Côte d'Ivoire, mais il a pris la nationalité burkinabé. Blati Touré. Tapsoba vers Kabore. C'était un peu trop fort pour le latéral 3 des étalons. Et Kamou Malo, lui était ancien milieu de terrain. Il a joué à l'US Ouagadougou et à l'Étoile Filante. Son choix est payant, hein, je le disais tout à l'heure, parce qu'il a remporté deux fois le championnat burkinabé. En 2016 et 2017. Ouais, il a joué les préliminaires de la Ligue des champions africaine. Aujourd'hui, il est le sélectionneur de cette équipe et c'est le premier sélectionneur Sadio Mané. Ah, dommage. Sadio qui perd ses appuis alors qu'il voulait prendre de vitesse Kabore. Ouais. Issa Kabore. Si Sadio est dans un grand jour, cette équipe du Burkina peut avoir de sérieux problèmes. Ouais, en tout cas, il n'hésite pas à les percuter, à provoquer, essayer à dribbler. Il faut une prestation d'ensemble. Les individualités s'affirment mieux dans un bon collectif. Ouais. Et ça, il le sait. Salut 6. Et c'est Sangaré qui concède la touche. Sangaré repositionné hein, dans le cœur du jeu par Kamou Malo. Ouais. Il joue en Ligue 2 en France à Quevilly-Rouen. Bounassar. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse au milieu de terrain, puisque l'autre milieu de terrain de cette équipe, Buira, a 33 ans. Un joueur aussi très expérimenté. Kabore face à Sadio Mané. Mané, le centre du gauche, Steve Yago qui renvoie ce ballon. Bertrand Traoré de la tête vers Hassan Bandé. Le contrôle, joli contrôle de Bandé. Yago, Blati Touré. Blati Touré avec Yago. On assiste à un super match, vraiment. Ouais. C'est une demi-finale de Coupe d'Afrique, c'est normal. Ça ne calcule pas. Issoufou Dayo pour Issa Kabore qui a pris le flanc en droit. Le contrôle était trop fort et c'est bien défendu par bien protégé par Salih Sis qui obtient le coup franc. Ouais, là, il protège bien son ballon. Je vais à l'expérience, Salih Sis. On oublie souvent, c'est un joueur qui est dans cette équipe du Sénégal depuis 2012-2013. Donc, déjà auteur de 4 passes décisives en tant que latéral. En tant que latéral. Et en plus, on ne compte pas le nombre de pénaltys qu'il a provoqué, ça lui 6. Le nombre de pénaltys. 3 pénaltys. Koulibaly vers Bamba Dieng, l'amorti. Il y a eu le retour de Yago. Et finalement, Bamba Dieng qui commet la faute sur. Ouais, bien arbitré. Le latéral burkinabé, Blati Touré avec Issa Kabore. Kabore, Sangaré. Cyril Bayala plutôt, Bayala avec Issoufou Dayo. Attention. Sortie de balle propre côté burkinabé. Les étalons qui vont partir en contre. Bertrand Traoré, Bertrand dans la surface. Bertrand, le centre de Bertrand Traoré et ça a été sorti par Bounassar. Très bien joué. Et tout de suite, rendu un bon regroupement défensif côté sénégalais. C'est ça. Là, regardez. On voit le jeu de jambes de Bertrand Traoré, ensuite le centre du pied droit. Mais Bounassar qui avait bien compensé un peu et fermé la porte, met le ballon en corner. Attention, attention. Et les Sénégalais qui ont bien défendu, qui ont défendu sans prendre le risque de le toucher parce qu'il pouvait tomber et se retrouver à devoir subir un pénalty. Et Bayala. Bayala dans la surface de dribble, dans un petit périmètre. Et heureusement, la défense sénégalaise a réussi à se dégager. Lui aussi, c'est un joueur qui peut être très dangereux. Et mine de rien, dans ces 20-22 premières minutes, ça ne se voit pas, mais l'équipe du Burkina est allée jusqu'au tir au but lors du match contre le Gabon. Ouais. Et on n'a pas l'impression, c'était bon, c'était les huitièmes de finale, ils ont eu le temps de se reprendre, mais on a l'impression que c'est une équipe qui vient de démarrer son tournoi. Ouais. Beaucoup de jeunes dans cette équipe du Burkina, moyenne d'âge 26 ans, alors que l'équipe du Sénégal, la moyenne d'âge, c'est 29 ans.
Ce sont deux équipes jeunes, on va dire, ouais, qui se rencontrent ce soir en demi-finale de Cannes. La quatrième pour les Burkinabés et la cinquième pour les Sénégalais. Les Burkinabés qui étaient en finale en 2013, ouais, battu par le Nigeria de Stéphane Keshi. Ouais. Et dans ce groupe, aucun joueur n'était à la CAN 2013. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais dans le banc, avec notamment le manager général Aristide Bansé, absolument, qui a joué cette finale. Avec, c'était la belle génération des P3PA, Alain Traoré, Charles Caboret. Ouais. Tapsoba avec Hervé Kofi. Et là, on prend pas de risque. Bandé, battu dans le duel par Bouna Sarr. Le pressing de Blati Touré, c'est lui qui le déclenche face à Koulibaly. Ouais, pressing payant. Nampalis qui gratte le ballon. Nampalis. Ouais, il y a une faute. Ganegueye avec Sadio Mané face à Issa Kabore. Mané. Mané tout en percussion. Le centre du gauche contré par Issa Kabore, le défenseur de 3 en Ligue 1 française. Mané va ressortir avec Salutis. Ganegueye pressé par Blati Touré. On préfère jouer avec Abdou Diallo. Koulibaly vers Bouna Sarr. Le repli défensif d'Hassan Bandé. Bouna Sarr. Bouna Sarr qui obtient la touche. Ouais. Là, on peut tergiverser. Bouna Sarr. Et pour l'instant, on fait un très très bon début de match. Kouyaté. Kouyaté, il obtient le corner pour les Lions du Sénégal face à Steve Yago. Kouyaté qui dispute ce soir son 17e match en phase finale de Coupe d'Afrique, tout comme Ganegueye. Ouais. Ce sont les deux joueurs qui ont disputé le plus de matchs. Et Sadio Mané dispute ce soir son 16e match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Sadio ne les a pas égalés parce qu'il n'a pas joué le premier match du Sénégal en 2019. Ouais. Et en 2015 aussi, il a raté ces deux matchs-là. Bouna Sarr au corner, c'est parti. Bien tiré. C'est Kabore qui sort ce ballon. Au Sénégalais l'avait bien repris dans la surface. Gros plan sur Tapsoba, le défenseur du Bayer Leverkusen. Nampalis. Très jeune, hein, il est né en 99. Ah. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire, ouais, pour la vrai. Petite histoire. Il c'est est vrai. Né le 2 février 1999. Ah oui, c'est Famara Diédou qui le ballon reprend arrive, ce ballon. Ouais, le ballon lui arrive dans les pieds. Heureusement d'ailleurs que Kabore était sur la ligne parce que... Ça allait faire but. Ouais. Salut 6. Le pied était battu. Canin. Bien joué. Bien joué, Mané. Mané le centre et c'est Tapsoba qui enlève ce ballon. Sangaré et la touche sera pour les Lions. On joue rapidement. Ganegueye. Ganegueye vers Salucis. Le centre de Salucis. Passe à côté. À côté. Oh là là. À quelle puissance. C'est tout jeune joueur, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, qui se met en évidence sur cette belle tête croisée. Ah. Sur un bon centre de Salucis, ouais. Bamba Dieng, formé comme attaquant pointe. Là, il joue sur le flanc, il dépanne, mais son véritable poste, c'est en pointe. Absolument. Steve Yago, vers de Hassan Bandé. Et le tackle propre de Kalidou Koulibaly. Magnifique tackle. Ah, ouais, magnifique, le ah, lui aussi, il nous régale avec ses contrôles orientés depuis le début du match. C'est le premier carton jaune de la partie. Pour Blati... Touré, il était sous le coup d'une suspension. Ouais. Il sera suspendu au prochain match du Burkina Faso. Quel que soit le match du Burkina Faso, ce sera une grosse absence. Ouais. On va en profiter pour dire que la CAF a reprogrammé la petite finale le 5 au lieu du 6. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est Guira plutôt qui prend le carton. Ouais. Ah, lui aussi, il sera suspendu. Absolument. Ouais, c'est Guira. Ouais, c'est Guira. C'est lui qui retient Bamba Dieng. Donc la petite finale aura lieu le 5 au lieu du 6. Et alors, pour le 6, c'est la grande finale. C'est cette finale-là que les Lions veulent jouer. Absolument. Mais il faut quand même signaler que la CAF
a commis une première erreur et elle s'est enfoncée ensuite en prenant une autre décision, parce que la première erreur, c'est d'avoir voulu faire jouer la petite finale à Aïdjo et la grande finale à Olembe. Hein? Parce qu'à ce moment-là, les officiels ne pourront pas se déplacer. Avec la remise des médailles, ça risque d'être compliqué. La finalement, sortie de Kofi qui vient boxer Cheikhou Kouyaté. Oh, gros choc. Ah, il y a un excès d'engagement du gardien burkinabé sur Cheikhou Kouyaté. Et ça me rappelle un tout petit peu le choc Vosignan Sadio Mané. Ouais. Mais je pense que cette fois-ci. Allez, on va revoir. Diallo. Oh. Ouais. Il vient boxer. Kouyaté. Oh là là. Il aurait lui-même pu se faire très très mal. Hein. Je pense que c'est peut-être en retombant. Ouais. Oh, d'abord, il est mal retombé. Ouais. Tous les deux. Ah, c'est spectaculaire, hein, ouais, c'est choc spectaculaire. Entre les deux. Ah, même le gardien burkinabé se blesse, Hervé Kofi. Hervé, j'ai bien envie de voir, parce que j'ai l'impression que son épaule, il est cher. En tombant, il est tombé dessus, il avait le bras un peu sous le corps. Je pense que c'est... Ah, c'est une sortie mal maîtrisée, hein, du gardien burkinabé. Bon, après, je ne dirais pas, parce qu'il va chercher le ballon. On voit qu'il a les yeux rivés sur le ballon, il a le poing en avant pour justement aller boxer ce ballon, c'est ce qu'il fait. Mais voilà, un gardien aussi, quelque part, doit se montrer autoritaire dans sa surface de réparation. C'est ce qu'il fait. Ah, ouais, on demande le changement. Le changement va se faire. Ah. Oh. Cheikhou Kouyaté. Aïe, aïe. C'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur. Kouyaté est très précieux dans cette équipe du Sénégal. Surtout dans ce genre de match, avec son abattage, son impact physique, sa combativité. Ouais, Aliou qui et son parle expérience. Aliou qui parle à Nampalis, certainement pour lui demander de se calmer. Ah, il est un peu tendu, ouais. Hein, Nampalis. Il est nerveux. Ah, il est mal retombé, ouais. Kouyaté. Et voyez Nampalis qui vient avec beaucoup d'énergie vers l'arbitre. Ouais. Oh là là, oh là là, c'est un coup dur pour les Lions. Et c'est Alfred Gomis qu'on voit à l'image. Le deuxième gardien du Sénégal. Je suis inquiet parce que. On va espérer que ce ne soit pas une fracture de la mâchoire parce que là, ça a l'air sérieux. Ah oui, Nampalis a toujours ressent toujours les séquelles de son choc de la deuxième minute. Ah oui, même pour Hervé Kofi, ça va être compliqué. C'est ça. Ouais. Mais bon, il va consulter la VAR, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté de faire mal. Ouais, il doit consulter la VAR. Ouais. Parce que cette sortie-là, est-ce qu'elle s'imposait pour Hervé Kofi? D'autant plus que Yago était à la couverture, même s'il était battu dans le duel par Kouyaté. Ça peut faire faute aussi, hein, dans la surface et pénalty pour le Sénégal. Ouais. On va voir. Il demande, faut revenir. Peut-être 2, 3, 4 secondes avant. Ouais, parce que Hervé Kofi vient. J'ai l'impression que c'est Cher qui touche le ballon en première. Ouais, le gardien, il vient donner un coup pratiquement à Kouyaté alors qu'il voulait jouer le ballon. Il est en retard en tout cas, ouais. Le gardien des étalons, Hervé Kofi. Ouais, parce que Cher ne le voit pas de toute façon. Et l'arbitre est en train de checker. Et tout le monde retient son souffle. Peut-être sur la chute. Kossi, et la main, oh là là. Son l'épaule. Mal retombé tous les deux. Tous les deux. Ah, c'est Cher qui touche le ballon en premier. Ouais. Après maintenant, pour moi, quelle que soit la décision qui va être prise, ce sera une décision sévère, je trouve. Après, bon, on répétera la même chose, hein, Doura Lex, c'est Lex, mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté manifeste de faire faute, de blesser l'un ou l'autre.
Et décemment, qu'est-ce qu'il décide après avoir consulté la VAR? Ouais, il ah a oui. Ouais. Là, il n'accorde pas de pénalty. Je pense que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Ouais. Il n'y a pas de volonté de faire de blesser. Regarde, parce que même Kofi a le ballon, a les yeux rivés sur le ballon. Il met le point pour boxer, éloigner le danger. Mais il n'y a pas de volonté manifeste de blesser son adversaire. Ouais. Ali Cissé qui est contre la VAR, il a dit en conférence de presse il y a quelques jours. Ouais, finalement, Cher va revenir. Hein. Ouais, il a un peu la lèvre ouverte. Et on demande le changement du côté burkinabé. Hervé Kofi va céder sa place parce qu'il est mal retombé. Et je pense qu'il tombe un peu sur son épaule gauche. Ça doit faire très mal. Si c'est voulait faire le changement, et apparemment c'est Kouyaté qui veut continuer la partie. Il ne veut pas abandonner ses camarades. C'est un vrai lion. Et là, c'est Sofiane Wedraogo qui va faire son entrée, qui va remplacer Kouakou Kofi. Il a déjà disputé un match dans cette CAN face à l'Éthiopie. Ouais. Farid Wedraogo, il joue en Espagne à Fuenlabrada SF. Ouais. Ouais. Voilà, Kofi qui va sortir. Voilà, Burkina perd un atout maître de son... Absolument. Kamou Malo perd un atout maître de son effectif. Absolument. Hervé Kofi, c'est un très bon gardien. Absolument. Le gardien du Royal Charleroi Sporting Club de Belgique. Il n'a pu pas s'imposer à Lille, souvent prêté à Moucron déjà. Et ensuite, il signe à Charleroi. Et il sera remplacé par Farid Wedraogo. Il faut espérer que ce ne soit pas très grave pour lui. Hervé Kofi, covidé en début de compétition. Et là, il se blesse, évacué sur civière. Et c'est le deuxième gardien, Farid Wedraogo, qui va continuer le match, encouragé par Tapsoba. Et Kouyaté va retrouver ses camarades. Un bon guerrier. Ouais. Le Sénégal est à 10, puisque Kouyaté demande à revenir sur la pelouse. Bertrand Traoré. Ouais, l'arbitre a touché le ballon. Ouais. C'est le règlement. Il doit le balle à terre pour les Burkinabés. Ouais. Allez, Chiarou qui est revenu sur la pelouse. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que dans ces genres de scénarios, le banc peut... pour prendre une décision rapidement et se raviser. C'est le cas sur Nampalis et le cas sur Kouyaté, heureusement. Koulibaly a le dégagement. Un mauvais dégagement. N'est pas réussi par le capitaine du Sénégal, Bertrand Traoré. Nampalis vers Sadio Mané, joli contrôle de Mané qui garde le ballon face à 3-4 joueurs burkinabés. Ah, ça, ah, c'est la technique à l'état pur. Ouais. Nampalis Mendy. Blati Touré, la frappe de Blati Touré contrée par Koulibaly. Ganegueye avec Famara Diédjou, il perd le ballon. Ce qui permet à Blati Touré de lancer le centre. Et c'est Nampalis qui concède le corner. Ah, il faut se reconcentrer, hein. il faut replonger dans le match. C'est vrai qu'il y a eu 5 minutes d'errement où vraiment à cause de la situation entre Cher Kouyaté et Hervé Kofi, bon allez, on a tendance à un peu perdre en concentration, mais il faut rester dans le match. La moindre erreur va se payer cash dans cette partie. Et c'est Gustavo Sangaré, l'un des gauchers de cette équipe du Burkina, qui va tirer le corner. Et Abdou Diallo qui surveille de très près Bertrand Traoré. C'est parti au premier poteau. Et le ballon est renvoyé par la défense du Sénégal. Famara Diédjou, c'est la deuxième fois qu'il il renvoie le ballon dans ses phases arrêtées avec sa taille. Ouais, c'est un très bon joueur de tête. Tapsoba
pour la première relance. Il s'appuie sur Platy Touré. Là, on recherche Bandé. Bertrand Traoré. Bertrand, la frappe contrée par Koulibaly. Bandé et la parade. L'arrêt d'Edouard Mendy. Très bien joué. Là, d'abord, c'est le contrôle de la poitrine. Abdou Diallo qui ne peut pas intervenir, il est en retard. Et tout de suite, on reprend derrière cette belle frappe de Bandé. Hassan Bandé qui joue en première division en Croatie au NK Istra. Formé par Salitas FC. Tout comme Gustavo Sangaré. C'est parti. Ganegueye face à Tapsoba. Ghana qui rate sa passe à destination de Sadio Mané. C'est ça, il a voulu tout de suite lancer Sadio Mané. Ballon qui n'était pas bien maîtrisé. Mais au moins, c'est ça, c'est déjà d'éloigner le danger, de tout de suite se remettre en place. Les Burkinabés qui ont été très dangereux en première période dans cette CAN, ils ont marqué tous leurs buts hein, en première période, alors que le Sénégal est une équipe qui marque beaucoup en seconde période, dans cette phase finale de CAN. Steve Yago avec Guira, Bertrand Traoré, et tout de suite Kouyaté est venu récupérer le ballon. Attention, Bandé au-dessus. Allez, regardez la colère d'Edouard Mendy qui demande de sortir ce ballon. Là, on revoit le mauvais dégagement, le ballon qui revient dans les pieds de Bandé. La frappe qui passe largement au-dessus. Mais attention, parce qu'on est quand même un peu dans le camp, on joue depuis quelques minutes dans le camp du Sénégal, des Lions. Edouard Mendy a raison de secouer ses défenseurs. Il parle beaucoup, beaucoup à ses joueurs. Ouais. Nampalis, pressé par Platy Touré. Bounassar vers Kouyaté, Siviago. La talonnade de Sangaré, c'était pour Bertrand. Et c'est Koulibaly qui essaie de lancer Famara Diédjou en pointe. Yago, Tortoba à nouveau. Là, on recherche Bertrand. Mise au sol par. Il revient pas sur la faute. Par Abdou Diallo, mais l'arbitre ne siffle pas Sadio Mané. Sadio Mané. Lui est déséquilibré. Cyril Bayala. Ah, la faute n'est pas si évidente que ça finalement, hein, parce qu'il joue, le ballon. Cyril Bayala, 25 ans, il était là en 2017, l'ancien joueur de Sochaux, de Lens et de l'Asfa Yenenga. Ganegueye avec très bien en place, Koulibaly. Hein, ils sont sur ce plan-là, on voit que tous les 11 joueurs sont dans leur moitié de terrain. C'est une équipe qui peut bien défendre. Ouais, qui défend très bien. Mais qui va vite sur les attaques rapides. Parce que contre le Cameroun, ils ont encaissé 2 buts sur penalty. Sadio Mané. Ah, Sadio qui plonge. Oh là là. L'arbitre qui indique qu'il a plongé, Sadio Mané. Alors que lui se plaint. On verra tout cela avec les replays. Il était à la lutte avec Issa Kabore. Ah. C'est pas évident. C'est lui qui marche sur le défenseur, sur le pied du défenseur burkinabé. Quand même un premier petit contact. Ouais. Et Pamela Tessema avec le sourire est en train certainement. Il est en train de communiquer avec le car régie. Le trio marocain. Ouais, on a un trio marocain à la VAR ce soir. Mais je suis pas convaincu. Je ne pense pas qu'il sait. Ouais, c'est ça. Il a demandé de jouer. Ouais. Il faut que les fautes soient plus évidentes. Hein, et quand on provoque des pénalties, mais qu'on le fasse avec. Il faut semer le doute dans la tête de l'arbitre. Bayala vers Bertrand Traoré, la couverture de Koulibaly. Il fait le ménage derrière comme d'habitude, colmate toutes les brèches avec une bonne lecture du jeu. Koulibaly qui joue ce soir son 12e match de phase finale de CAN.
Kabore en difficulté. Blati Touré, Mané, l'arbitre qui revient sur la faute. C'est vrai, il a raison. Il revient un peu sur la faute sur Cyril Bayala. Pour l'instant, c'est très bien arbitré. Hein. Pas de... Bon, quoique finalement, elle n'est pas si évidente. Encore 1 minute 30 dans le temps réglementaire de la première période. Burkina Faso 0, Sénégal 0 dans cette demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Tapsoba avec Adama Guira. Guira qui s'appuie sur Iago. Iago contré par Bambadjan. Guira avec Issoufou Tayo, le joueur de la RS Berkane. Sangaré, Issa Kabore. Kabore avec Sangaré à nouveau. Le pressing de Kanegui, ouais. Bon dans le harcèlement. Ça, c'est son fort. Ouais. Blati Touré qui demande toujours le ballon dans les pieds. Le maître a joué des étalons. Là, il rate sa passe. Kouyaté. Kouyaté avec Bounassar. Nampalis Mendy. Bounan. Bambadjan. La passe de la poitrine. Kouyaté. Ah, il est en difficulté. Ah, il avait besoin de son soutien. C'est ça. Après qu'il n'est pas très habile balle au pied. Mais c'est un joueur qui donne tout sur, ouais. Sur un terrain. C'est pas, le dribble n'est pas son fort. Ouais. Kabore, pressé par Kanegeya. Et la touche est pour les Burkinabés. 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel. Ouais, c'est très logique. Ouais, avec. Il y a eu la consultation de la VAR, la blessure de Nampalis. Et celle de Cheikh Kouyaté et Koufi, c'est ça. Ah, il fallait avec Cyril Bayala, le centre de Bayala. Et ça a été touché, c'est un corner pour les étalons. Je trouve qu'il faut que ce que Idrissa Ganagé est en train de faire sur le porteur du ballon, je pense que tout le monde doit faire à peu près la même chose, le harceler, plutôt que de le laisser dérouler, de le laisser courir. Parce que tant qu'on le laisse, il gagne de l'espace et on recule. Donc il faut les harceler. Edouard Mendy qui organise la défense dans ses 16m50. Gustavo avec Bayala. Gustavo Sangaré qui met le ballon dans la boîte, dans la surface. Et là c'est Bandé qui évite la sortie. Bandé face à Salusis qui s'est retrouvé sur le côté droit. Latéral droit, ouais. Oui. Ça montre qu'il y a beaucoup de solidarité dans cette équipe du Sénégal. Un pour tous. Tous pour un. Tous pour un. Petrago, long ballon du gardien burkinabé. Et regardez qui est latéral gauche. Bounassar qui va retrouver son poste. Ça c'est de la solidarité. Et c'est un groupe qui vit très bien. Ouais. Regardez sur le but de Famara Diagne, c'est tout le banc et les titulaires qui ont célébré. Absolument. Ce but-là. C'est important. Hier, Joseph Lopu le disait en conférence de presse, c'est un groupe où il y a beaucoup de solidarité. Ouais. On revenait un peu sur le discours à la fin du match contre la Guinée équatoriale d'Abdou Diallo qui disait qu'il fallait encore... Un discours qui résonne toujours. Absolument. Dans le vestiaire. C'est ça. Abdou Diallo qui a été capitaine de l'équipe de France Espoir. C'est quelqu'un qui a du leadership. Absolument. Et qui est en train de faire une très bonne canne. Steve Yago. Ouais, à la lutte avec Bambadjan. Voilà. Tapsoba, pressé par Famara Diédou. Bertrand avec Bandé. Et là, c'est Koulibaly qui ne lâche pas et il commet la faute. Koulibaly connaît bien Bamlak Tessema. Koulibaly qui avait écopé d'un carton rouge lors du match aller à Dakar lors des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Burkina Faso, et c'était l'arbitre Joshua Bondo qui lui avait donné ce carton-là. Un rouge sévère, et même le carton jaune qu'il reçoit lors de la demi-finale était extrêmement sévère, parce que si je me souviens, c'est parce qu'il protestait un peu contre l'arbitre en tant que capitaine, et ce dernier lui a donné le carton. C'est ce qu'on dit, un arbitre parfois doit maîtriser le contexte d'un match. Il y a certains joueurs, vous les sortez, mais vous pénalisez toute une équipe, alors que c'est son rôle en tant que capitaine de venir parler à l'arbitre. Blati Touré
avec Steve Yago, Edmond Tapsoba vers Kabore, Bayala, Bayala avec Bertrand Traoré, le joli contrôle orienté, il a perdu ses appuis, Koulibaly, Famara, mise au sol par Adama Guira. Ah, c'est un joueur très technique, ce Bertrand Traoré. Regardez le contrôle orienté qui nous sort lui aussi. Ça c'est du Bertrand Traoré. Malheureusement, un joueur fragile comme son frère aîné. Alain qui avait qui était excellent également, une frappe de merveille. Mais Sadio Mané, le centre de Mané au second poteau, Farid Ouédraogo. Mais entre Bambadjan. Alors qu'il y avait deux joueurs, voire trois joueurs sénégalais dans la surface. Il prend vraiment la mauvaise décision parce que d'abord il est dans un angle complètement fermé. Il aurait pu jeter un coup d'œil au niveau du point de pénalty. Là on regarde le ballon qui arrive. Il y a un manque de communication entre Yago et son gardien. Il y avait Famara, il y avait Kouyaté. Ah, il a préféré la solution individuelle. Absolument. La réaction du deuxième Guindé. Deuxième Guindé et Ale Kaza ensemble. Ouais, pour le nouveau slogan Allez Sénégal, Manco Outine Damblé. Ouais, ensemble pour aller chercher la victoire. C'est ça. Issa Kabore avec Bertrand Traoré. Bien défendu de la part d'Abdou Diallo. Très solide derrière aux côtés de Kalidou Koulibaly depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Edou Mendy avec Koulibaly. Match animé. Bertrand qui gêne beaucoup la relance des Lions. Sadio Mané qui a demandé le ballon dans les intervalles. Il décale pour Salif Sidibé. Salif Mané, Sadio. Le bras de Sadio. Et l'arrêt de Farid Ouédraogo. Corner pour les Lions dans cette dernière minute du temps additionnel de la première période. Ouais, c'était bien essayé de la part de Sadio Mané. L'appel et puis la frappe derrière Ouédraogo. Et sa frappe du gauche est tellement puissante. Je trouve même que son gaucher est plus puissant que son droitier, Sadio Mané. Nice. Et ce supporter voit le ballon au fond. Au fond déjà, ouais. C'est parti au premier poteau. Ballon sorti par Bertrand Traoré. À la récupération, Nampalis Mendy. Nampalis vers Sadio. Il a pris le dessus sur son vis-à-vis. Mané face à Kabore. Mané qui prend de vitesse Kabore. Mané pour Kanegueye. La frappe de Kanegueye. Et le but. Il y a une faute de main dans la surface. Pénalty. Pénalty pour le Sénégal. Et le carton jaune pour Tapsoba. Oh là là. On avait même cru au but sur la frappe malgré la déviation. Bon, allez, ils vont demander à l'arbitre de checker, on va voir. Mais pour l'instant, la première décision, c'est pénalty et carton jaune pour Edmond Tapsoba, Edmond le jeune défenseur du Bayern Leverkusen. Qui sera suspendu au prochain match du Burkina Faso. Alors, on revoit la reprise. La main est collée au corps. Aïe, 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 c'est une décision. Il prend le ballon au coude. Ouais, la main collée au corps, il se retourne. Vous n'êtes pas convaincu, on dirait, et là, cher notre ami. Bon, c'est que Tapsoba semble indiquer à l'arbitre éthiopien, Bamlak Tessema. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que d'abord, il se retourne, mais c'est une position naturelle, la main est collée au corps. C'est-à-dire, si la main était décollée, là, le pénalty serait évident, mais on voit bien qu'il a le coude collé au corps. Donc, je serais étonné que il va consulter la VAR. Il va consulter la VAR. Très physique, Bamlak Tessema. Ils font des arbitres, des entraînements très sérieux. Ah bah, ils sont sélectionnés. Il vit en altitude quand il vient dans ce genre de pays-là. Il a beaucoup d'oxygène. Et du coup. Il fournit énormément d'efforts dans un match. Ouais. Et il va consulter la vidéo, il va checker cette action, cette frappe, la demi-volée de Idrissa Kanegueye. Pour moi, c'est une position naturelle. Pour moi, c'est vraiment une position naturelle. Il ne peut pas faire autre chose. Ouais. Il va annuler, Qu'est-ce qu'il va décider? Il retire le carton. Il annule le carton. No penalty, c'est ça. C'est ça. Absolument.
Il annule le carton pour Tapfoba. En 2019, pour la petite histoire. Mais il y a corner, voilà. En 2019, pour la petite histoire contre la Tunisie, il avait sifflé un penalty sur une main supposée de Ganagui et il l'avait annulé après. Ouais. Et Ghana avait passé les plus longues minutes de sa vie. Ah ouais. Et là, il annule le carton et donne le corner au Lyon du Sénégal. Une dernière occasion pour. Il a consulté deux fois la VAR dans ce match, Bamlak Tessema. Peut-être la dernière occasion pour les Lions avant d'aller au vestiaire. Le bon moment pour planter un but. Bounassar au corner. C'est parti au second poteau. La sortie de Faridou Ouédraogo. Et c'est la pause à Ouagadougou. Burkina Faso 0, Sénégal 0. Après une première période très intense. Ouais, première période très très intense. Vraiment. On a assisté à un super match de football entre deux équipes qui ne se lâchent pas, qui jouent, qui vont à fond dans cette partie. Le Burkina a eu de très très bonnes séquences, le Sénégal aussi. Les Burkinabés ont eu deux occasions franches. Les Sénégalais aussi en ont eu une ou deux, hein, même s'il y a eu derrière des mauvais choix, par exemple sur la frappe de Bamba Dieng. Mais c'est un très très bon match de football, très équilibré. Pour l'instant, voilà, difficile de dire où le match pourrait pencher. Les 45 prochaines minutes vont être extrêmement importantes. Birem Biguendiaï et Mariam Dramé. À vous, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Devinez quoi ? Lonas.bet est enfin disponible. Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site Lonas.bet. Pariez sur les plus grands championnats sportifs au monde, comme le football, le basketball, le handball et bien plus encore. Où que vous soyez, faites vos paris et augmentez vos chances de gagner. Profitez d'un mode de paiement simple et efficace avec Orange Money. Rejoignez-nous sur www.lonas.bet et téléchargez l'application rapidement. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Mon Choco, votre nouvelle pâte à tartiner à la saveur unique, donne un goût intense et raffiné à vos tartines. Idéal pour toutes les occasions, Mon Choco offre une explosion de saveur qui réveille toutes vos papilles et fait le bonheur des petits et des grands à la maison. Le meilleur goût du chocolat, c'est Mon Choco. Existe aussi en verre. Sonam Assurance, moi assureur officiel des Lions du Sénégal. Sonam Assurance, Tahaou Sénégalais, Bouné, moi objectif. Sonam Assurance, moi wak gaïnde du Sénégal. Les Lions de la Teranga, bonne chance. Sonam Assurance, moi Gungé, Sénégalais, Bouné, t'es assuré, équipe nationale du Sénégal. Sonam Assurance, tu es tout Sénégalais, Bouné. Salam alaikum. Alaikum salam. Dédou, Allah, de la mort, Gandhi, qui est-ce xana mo won gor bay modou tayer gaynde ci bir kërëm deug na ma yox aladi or xara bayima kayer rek mo won li moy télévision west ou ubc west bulban
Gam TV wi spool bu bes bi daf lay jox ay image yu leer nañ ba nga fakk ni yaangi ci biir télé bi menu bu gaaw te yomb jëfandiko télécommande bu moos bay dégg diglé yépp qualité bu mucc ayib ak li ëpp solo da nga yaxanal sa wéccé waye boy do gaaw sama waji dal waye lu gën dëré wi spool ensemble pour longtemps. L'Institut Polytechnique de Dakar, IPD Thomas Sankara, l'université professionnelle africaine, leader dans les sciences du management et de gestion, les échanges commerciaux et la logistique, les sciences et techniques de l'informatique, le génie civil et la licence en ressources numériques du BTP, BIM, les réseaux et télécommunications, l'électrotechnique. À l'Institut Polytechnique de Dakar, vos plus belles réussites se construisent dans un cadre de référence et un corps professoral expérimenté. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent dans la limite des places disponibles. L'Institut Polytechnique de Dakar, c'est aussi l'immersion professionnelle de ses étudiants à travers ses projets d'infrastructure, notamment la réalisation d'un amphithéâtre de 300 places sur plan par un restaurant panoramique et des salles de TP. IPD Thomas Sankara, c'est près de 30 ans au service de l'éducation et de la formation. Situé à Sud-Foire, près du SAMU municipal. Téléphone 33 867 90 45, 77 529 84 87, 77 529 84 88. Email admin@ipd.sn, www.ipd.sn. Vous êtes nouveau bachelier? Profitez des offres de bourse de l'IPD et de ses partenaires. Retour en plateau ici au monument de la Renaissance africaine. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes. On a essayé un match fou dans cette première mi-temps. 0-0, pour l'instant pas de but, avec beaucoup de montée d'adrénaline. On a pris l'ascenseur émotionnel plusieurs fois dans cette première mi-temps. Mariama, match plaisant dans ces 45 premières minutes. 0-0 à l'issue de la première mi-temps. Plaisant, mais tendu entre Lyon et Étalon Pabiram. Donc à la mi-temps, c'est 0-0 entre l'équipe nationale du Sénégal et les Étalons du Burkina Faso. Alors Ndofen, votre avis sur cette première partie entre Sénégalais et Burkinabé? Votre avis? On découvre ensemble d'abord les highlights, les temps forts. Oui, on revoit ça après, les temps forts de cette première mi-temps. Avec cette première frappe de Sadio Mané à l'entrée de la surface de réparation. Ça, c'était en début de première mi-temps. Bertrand Traoré également a eu quelques montées dans la défense sénégalaise avec bien sûr une solidité défensive côté Lyon du Sénégal. Le Sénégal qui a eu une très très belle réplique dans les phases offensives de l'équipe burkinabé. On va ouvrir donc le débriefing de cette première mi-temps avec Souleymane Diallo. Souleymane Diallo, donc comment analysez-vous cette première mi-temps hein, avec cette image? C'est une première partie pour moi très équilibrée. Chacune des équipes a son temps fort. Et il va falloir être plus prudent pour être plus concentré sur le temps fort adverse. On a tendance effectivement à laisser de l'espace à cette équipe burkinabé. Parce que c'est une équipe qui a une technique collective très dangereuse. Il ne va pas falloir laisser trop de temps dans son jeu. Dès qu'on perd le ballon, il faut tout de suite être en contact pour récupérer ce ballon. Et sinon, les statistiques ont montré effectivement qu'aujourd'hui, le niveau burkinabé à la première. Je vais vous reposer ma question de tout à l'heure. Votre avis sur cette pluie? Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que contrairement à ses déclarations, l'entraîneur est sorti de son 4-2-3-1. Il a répondu au 4-3-3 d'Aliou Cissé par un 4-3-3. Un 4-3-3 avec un bloc médian haut, lui permettant de récupérer le ballon. Et malheureusement, les Sénégalais ne n'exerçaient pas de pressing. Ça lui permet de sortir avec le ballon. Ils ont eu à deux ou trois reprises à nous inquiéter. Mais je crois qu'en première période, si on est plus altruiste, et plus à droite, en principe, on doit faire la différence. Cher Siliba, on a vu une équipe sénégalaise qui a tenu le ballon, mais une mi-temps assez équilibrée dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui manque à cette équipe du Sénégal pour marquer le but? Un peu plus de jeu côté burkinabé. On a vu les burkinabés qui arrivent à sauter notre première ligne par une passe. Je pense
on doit essayer de couper cette trajectoire de passe et essayer de resserrer les lignes parce qu'il y a toujours un Burkinabé qui est entre deux lignes, l'intervalle qu'on arrive à trouver. Je pense qu'il faut essayer de resserrer les lignes et surtout sur le repli défensif de Bambadien. Bambadien, je pense que dans son repli défensif, il n'est pas encore présent. Donc il faudra veiller sur cela parce que tout le temps, sur le repli défensif, il est en retard. Il faudra essayer de remédier à tout cela. Et j'ai vu beaucoup de déchets techniques, surtout même avec Khalidou Koulibaly, qu'on connaissait serein, qui était le patron de notre défense en haut. On voit une équipe sénégalaise assez timorée, qui est comme omnibulée par l'enjeu de ce match. Il faut les joueurs qui se relâchent. Et aussi, j'ai vu beaucoup d'individualité dans le jeu. Il faudrait qu'on essaye d'être plus collectif pour essayer pour mieux inquiéter cette équipe burkinabé. Alors, Ngiran, comment avez-vous trouvé cette première partie et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être rectifier pour la seconde? Je pense qu'on a vu une très bonne équipe sénégalaise en première mi-temps qui a poussé, voilà, après il manquait le but. Bon, après les 10 dernières minutes, Burkina, ils ont poussé. Et je pense que si on continue comme ça, jouer sur les espaces, comme j'ai dit, il faut mettre Sadio Mané un contre un tout le temps avec Bambadien. Je pense qu'il peut faire la différence. Il y a eu deux faits de jeu. Y avait-il pénalty sur ces deux actions? Oui, mais c'est compliqué parce que la main est serrée. Après, c'est comme... Mais bon, moi, je pense qu'on va marquer dans le jeu. Voilà, après, bon, c'est un fait de jeu, c'est dans le jeu. Mais je pense que, comme j'ai dit, hein, il faut que Sadio Mané et Bambadien, qu'on les met un contre eux dans les espaces pour qu'ils puissent faire la différence avec les défenseurs burkinabés. Ouais. Souleymane Diallo, on s'achemine vers la seconde période. Comment doit-on jouer pour marquer ce but tant attendu? Ouais. Il faut entamer comme on a entamé la première période. Parce que là, c'est 45 minutes, il va falloir mettre tous les atouts de notre côté. Mais ce qui est important, il va falloir revoir la position de Idrissa Gana. Je trouve Idrissa un peu bas. Donc on n'a pas cette supériorité numérique qu'on avait dit dès l'entame du plateau, à savoir qu'il faut être minimum 5 dans la zone de finition. On a vu qu'on est en infériorité numérique par rapport à l'adversaire, et ce qui est dangereux, dès qu'on perd la balle, on a tendance effectivement à laisser de l'espace, et par une passe en profondeur, on peut casser une ligne. Sur ce, il va falloir un bon regroupement défensif dès qu'on perd le ballon, et revoir un peu la position de Ghana, qui peut aller un peu vers l'avant. Donc très rapidement, c'est quoi la clé du match en seconde période? Pour la seconde période, moi je reste sur ma première idée. Je crois qu'il faut amener Ismaïla le plus rapidement possible. Okay. Premièrement, il faut mettre un bloc médian haut, les empêchant effectivement de se donner une zone de confort. Parce qu'on vient jusqu'à la ligne de médianité. Ça veut dire qu'on réduit la difficulté déjà à 50%. Je crois qu'il faut remonter le bloc. Il nous empêche, nous, de sortir confortablement. Il faut qu'on aille les prendre haut et que dès la récupération, qu'on mette en place les transitions et qu'on soit plus généreux. Parce que c'est généreux. Je merci, crois que merci ça, beaucoup. Aurait dû donner la... Remember all the good times that we shared. At Total Energies, we go the extra mile for you. Entre le Sénégal et le Burkina Faso, certainement, et la Chernodramé, on reprend sur les mêmes bases, pas de changement. Ce sont les deux équipes qui ont terminé la première période qui vont se retrouver. Ouais. Edouard Mendy et Koulibaly sont les derniers à sortir côté sénégalais. C'est et ça. Sadio Mané. Ce sont les mêmes, mais je pense qu'il faut, s'attendre à des changements parce que j'ai vu pendant la mi-temps, Pape Matar Sarr et Pape Gueye venir s'entraîner. S'échauffer plutôt sur la pelouse. Donc je pense qu'Ali va faire quelques changements, surtout au milieu de terrain. Amener plus de technique avec Pape Matar Sarr. Et voilà, c'est un joueur qui est bon. Bon, de toute façon, on verra bien ce qui va se passer.
Mais pour l'instant, le score est toujours nul et vers 0. Et c'est reparti. En tout cas, on a assisté à une très belle première période. Et on s'attend à une seconde période très animée. Kanegueye avec Famara Djedjou qui a décroché. Famara qui garde le ballon et qui provoque la faute. Ouais, ça, c'est bien ce qu'il n'arrivait pas à faire en première période. Famara, ouais, c'est bien. Rejoue rapidement. Joué. Avec Bambadjian, le joli contrôle. Bambadjian qui a cherché peut-être le corner. Ouais. Et c'est Farid Ouedraogo qui sauve la balle. Le ballon vers Bertrand Traoré, Abdou Diallo qui laisse filer. Et salut 6. Bien pris en tenaille par Kalidou et Abdou Diallo, mais il n'empêche, il fait quand même quelques éclats. Pour la première fois dans cette CAN, le Burkina Faso n'a pas marqué en première période. Ouais, ben pourvu qu'il ne marque pas. Ah ouais. Pas simplement. C'était face à la meilleure défense du tournoi, ça se ouais. comprend. Cette équipe du Sénégal n'a encaissé qu'un seul but. Très solide derrière. Sangaré. Ouais, ça c'est important. Le pressing tout de suite sur le porteur du ballon. Ouedraogo qui rate. Le magnifique contrôle d'Ali Cissé. El Tactico, comme le surnomment les Sénégalais sur les réseaux sociaux. Ouais. En tout cas, il faut aussi souligner ses progrès dans la communication, ouais. dans sa façon d'aborder les conférences de presse, mais aussi sur le terrain, hein, parce que le Sénégal montre un meilleur visage depuis le match contre le Cap-Vert. Ah, même ses relations avec les journalistes. Ouais, c'est ça. Le renversement vers Boulassar, ouais, il s'appuie sur Bambadjian. Tapsoba qui prend le dessus sur Bounassar. Et Tapsoba derrière n'a pas pu bien relancer à destination de Hassan Bandé. Nampadis avec Abdou Diallo qui a traversé le... Voilà. De rond central. Là, il est plus haut, ce qu'il n'avait pas fait en première période, Abdou. Ouais, ouais. Ils sont gênés par la présence de Bertrand Traoré. Kalidou Koulibaly vers Salius Issa. Joli contrôle. Joli contrôle en extension de Salius Issa. Sadio Mané avec Kanegueye. Kanegueye contré dans un premier temps, il était un peu court. Attention. Les Burkinabés vont partir Attention, en contre. Il y a un 4 contre 3. Hassan Bandé, il a vu l'appel de Bertrand Traoré. La couverture d'Abdou Diallo. Excellent, excellent. Le défenseur du Paris Saint-Germain. Qui également est un très bon client en conférence de presse. Ah oui. Tout comme Joseph Lopi. Sangaré, la frappe de Sangaré, contrée par Abdou Diallo, le seul joueur qui a joué l'intégralité des 5 derniers matchs. Ouais. Tapsoba, avec Issoufou Dayou, vainqueur de la Coupe CAF en 2020 avec la RS Berkane. Blati Touré, qui s'appuie sur Issa Kabore. Kabore, avec Cyril Bayala. Ah, Blati Touré. Vers Bandé. Ça s'est bien défendu de la part de Bounassar. Bounassar qui a pris le dessus. Kouyaté. Ah, qui fait un meilleur match hein, que contre la Guinée équatoriale. Bounassar, il est présent en défense. Il propose des solutions également en attaque. Mané. Le dédoublement de Salius Issa. Il a vu l'appel de Famara Djedjou. Ah, c'est trop sur le gardien. Centre. Ouais, c'est trop sur le gardien. C'est bien, au moins les latéraux montent de plus en plus. C'est important. Parce qu'il faut arriver à cadrer les latéraux. Parce que le jeu burkinabé est aussi beaucoup basé sur les côtés. Donc il faut réussir à les cadrer, les empêcher de monter et ensuite nous dérouler notre stratégie offensive. Avant le gros plan sur Alucissé, on a aperçu Firmé Sanou de la génération 98 qui avait fait une demi-finale de CAN avec le Burkina. Ouais, c'est l'un des adjoints ouais, c'est ça. De Kamou Malou. Il y a aussi Alain Nana Ablassé qui est aussi adjoint de Kamou Malou. Deux anciens internationaux, demi-finalistes de la CAN 98 au pays avec le Burkina Faso. Issa Kabore, Cyril Bayala, mauvaise passe. Sadio Mané. Oh là là, dans le dos de Famara Djedjou. La passe dans le dos.
Aïe, ça c'est bien joué. Bounassar, avec beaucoup d'engagement. Il va écoper d'un carton jaune. Ah, même s'il n'est pas bon, là c'est un excès d'engagement. Même si c'est pas méchant, mais bon. C'est le premier carton de la partie pour les Sénégalais. Bounassar qui s'est vite adapté au football africain. Ouais. Il fait de bons matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, il arrive bien sur le ballon, mais bon. C'est sa 10e sélection ce soir avec le Sénégal. Peut-être qu'il est en retard. Junior Sarr, c'est son nom complet. Bouna Junior Sarr. Adama Guira. Guira qui recherche Cyril Bayala, devancé par Mané. Gustavo Sangaré, mauvaise passe. Et là, c'est Bamba Dian qui accompagne Steve Yago. Bamba Dian, attention, il a perdu le ballon à San Bandé. Et la récupération, Nampalis Mendy. Nampalis qui prend des risques, il s'appuie sur Salusis. Salusis vers Mané. Mané à la lutte avec Issa Kabore. Pamara Diédou. Mané. Pamara est libre de l'autre côté. Et le joli tacle. Ouais, le joli tacle du Fufu Tayo sur Sadio Mané. Pamara n'a pas vu l'appel de Cheikh Kouyaté de l'autre côté. Qui arrivait à toute vitesse. Sangaré. Sangaré avec Cyril Bayala. Blati Touré toujours disponible pour faire jouer son équipe. Lui qui a signé au Pyramide FC en Égypte le 29 janvier dernier, à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Bayala avec Bertrand Traoré qui perd le ballon. Ganegay qui n'est pas peut-être au niveau dans cette demi-finale. Ouais. Je trouve en fait ce qui change un peu dans sa façon de jouer, ouais, c'est qu'il touche moins le ballon. Ouais. Puisque c'est désormais à Nampalis Mendy qui est dévolu le rôle, disons, d'organisateur. C'est lui qui touche beaucoup plus de ballons. Ghana est là, il se place bien, ouais, il est dans le harcèlement. Mais c'est vrai que il peut élever le niveau. Le niveau, c'est ouais, ça. Ouais. Il nous a habitués à beaucoup mieux que ça. Ouais. Et c'est pratiquement le même cas depuis le début de la CAN pour Ganegay. Il peut faire mieux que ça, vu son potentiel. Ouais. Nampalis Mendy avec Ganegay justement. Ouais. Là, il peut essayer de frapper par exemple. Ouais. Ganegay, la frappe contrée. Ouais. Blati Touré. Ah, Blati vers Hassan Bandé. Kalidou Koulibaly qui ne se jette jamais. Bandé n'a pas eu beaucoup de lucidité après pour faire la dernière passe à Bertrand Traoré. Ouais. Il est gêné par l'attitude de... Et Kamalou n'est pas content. Bah, il a raison de ne pas être content parce que peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Mais je pense que l'attitude de Kalidou l'a un peu gêné, qui a fait mine de tacler, s'est arrêté, même s'il réussit le dribble. Mais après, il n'est pas sur les bons appuis pour Kalidou Koulibaly relancer. Vers Salusis, il nous refait l'action du match contre la Guinée équatoriale. Et cette fois-ci, c'est Steve Yago qui était venu, Cyril Bayala plutôt, qui était venu lui barrer la route. Ouais. Ah, dans le gelon, Kalidou Koulibaly fait de très belles choses. Ouais, clairement. Et Salusis aussi. Le contrôle. J'ai vu de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Parce que le contrôle peut être un dribble. Ouais, absolument. Absolument. Surtout quand c'est un contrôle orienté, il peut aider à éliminer un vis-à-vis. Ah, Zidane était un peu le maître dans l'art du contrôle orienté. Bon, évidemment, mais Salusis était un joueur à vocation offensive. Ouais. C'est après, au fil des il années, reconverti latéral. Ouais, c'est un joueur qui a ces qualités-là. Ah, et on le voit, il réussit à éliminer. Il est capable de dribbler, même à l'arrêt. Attention, attention, attention. Ah, il a pris un coup. Mendy. Belle relance de Mendy sur Bounassar. Kouyaté lui demande de jouer derrière avec Nampalis Mendy. Ouais. Nampalis qui garde le ballon. Nampalis avec Ganegay. Ganegay qui s'appuie sur Sadio Mané. Salusis. Ganegay. Vers Famara Diédou. Le compte favorable. Ah, dommage. Blati Touré un peu court. Nampalis qui alerte Bamba Dian de l'autre côté. Bounassar, le centre de Bounassar au premier poteau, c'est envoyé par Tapsoba.
Nampalis qui insiste sur le flanc droit. Allez, Ghana, voilà. De soutien. C'est ça. Et la touche pour le Sénégal. En faveur pour les Lions. Ghana aurait pu se montrer peut-être plus disponible. Nampalis. Bounassar qui a du mal à reprendre ce ballon. Et là, on se dégage côté Burkinabé sans prendre de risque. Bertrand Traoré qui dévie vers Cyril Bayala. Ah, Bayala qui a senti une douleur quand il a accéléré lui aussi. Grimace. La grimace. Peut-être une blessure musculaire, peut-être. Dayo qui joue long à destination de Bertrand Traoré. Edouard Mendy ne sort pas. Le magnifique retour de Kalidou Koulibaly. C'est l'arbitre indique les 6 mètres, mais le retour de Koulibaly est suffisamment. Explication entre Abdou Diallo et Edouard Mendy. Ah, c'est bien Kalidou qui vient tacler ce ballon. Ouais. Attention, c'est un poison, Bertrand Traoré. Kalidou Koulibaly qui relance des deux pieds, pied gauche, pied droit. Et là, c'est directement sur Farid Ouedraogo. Il recherchait Bamba Dian. Issa Kabore, le joueur de Manchester City, prêté à Troyes. Manchester City qui a cette politique de recruter de bons joueurs, de bons jeunes joueurs un peu partout et de les prêter après. Ouais, souvent, il y en a que très peu qui reviennent. Hein. Ouais. Le Sénégal qui a gagné 5 de ses 6 derniers matchs à élimination directe en phase finale de Cannes. Ganegay. Il est entraîné ce soir sa 87e sélection. Il égale un certain Roger Mendy. Une légende du football sénégalais. Ce sont les deux joueurs qui ont 87 caps. Ouais. Et ils marchent tout droit vers le record détenu par Henri Camara, 99 sélections. 98. Il y en a un qui. En tout cas, la saga du football sénégalais de Momodou Koumé nous dit qu'il a 98 sélections et 31 buts, Henri Camara. Ah, Bamba, il faut qu'il lâche le ballon un peu plus vite. Bandé avec Sangaré. Cyril Bayala. Bayala, et là, c'est Salif Sis qui concède la touche. Ouais, Bayala, il va pas bien. Ah, apparemment, c'est une blessure musculaire. Ouais. Il risque de quitter ses partenaires. Tapsoba vers Bandé. Bamba Dian, Steve Yago, Ghana. Là, il commence à être beaucoup plus présent dans la récupération Ghana Gueye. Blati Touré, c'est la faute de Ghana Gueye sur Ibrahim Blati Touré. Alors, il y a, y a Bayana qui est resté au sol. Cyril Bayala, joueur de l'AC Ajaccio en Ligue 2 française. Voilà. Il est congratulé par Je pense qu'il va sortir, Cyril Bayala. Ouais, il va y avoir changement avec l'entrée en jeu de Zakaria Sanogo, le joueur du FC Ararat en Arménie. Passé par la réserve du Racing Club de Strasbourg, Zakaria Sanogo. Ce soir, les Burkinabés ont perdu deux joueurs sur blessure. Ouais. Hervé Kofi en première période. Et peut-être Cyril Bayala, il ne veut pas sortir. Hein. Il est resté sur le terrain. Hein. Il est resté sur le terrain, Bayala. Je pense qu'il observe un peu la situation de son coéquipier. Mais le changement va se faire. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est de sa place. Donc, deux joueurs sortis sur blessure côté Burkinabé, Hervé Kofi et Cyril Bayala. Deux pions essentiels dans le dispositif
de Kamou Malou, Ismaël Assar s'apprête aussi à faire son entrée. Ouais. Tout avec comme Pape Gueye. Pape Gueye, peut-être à la place de Ganda. Sanogo avec Kabore qui perd le ballon. La récupération, Nampalis, Saliusis, l'amorti de Nampalis, Kouyaté. Pas de faute. Kabore, Kouyaté qui continue à se battre. Ouais. Sangaré vers Sanogo. Le premier buteur de la CAN, Gustavo Sangaré, face au Cameroun en match d'ouverture. Le Burkina a 4 buteurs. Salut 6. Vers Mané. Ouais. Mané avec Famara Diédjou. Famara mise au sol par Edmond Tapsoba. Les Sénégalais qui bénéficient d'un coup franc. Famara très intéressant dans le jeu dos au but. Ouais, c'est ça. Il arrive à provoquer des fautes ou à combiner parfois avec Mané. C'est ça, Mané le cherche systématiquement en pivot. Et Ismaël Assar qui va faire fort d'entrée. Le TGV venu de Saint-Louis, Speedy Iso. Buteur face à la Guinée équatoriale. En sortie de banc. Ouais. Allez, salut 6. Bon, je ne vois pas frapper directement au but. On va peut-être aller chercher la tête de Famara Diédjou au second poteau. En tout cas, devant la balle, il y a Salius et Ganegueuil. Ah, c'est Salius au second poteau. Ballon renvoyé par Tapsoba, Sangaré. À la récupération, Bounassar qui préfère jouer avec Edou Mendy. Sorti de ses 16,50 m. Long ballon du gardien sénégalais Famara. La remise, La remise pour Sangaré. Pour et Sangaré lui aussi ne fait pas une bonne passe pour Sanogo. Ouais. Ce qui permet aux Sénégalais de repartir. Apparemment la pelouse de 17h Tcherno n'a pas d'impact sur l'état de la pelouse hein, à première vue. La pluie. Ouais, ouais c'est vrai. Mané qui va essayer de provoquer. Mané qui s'appuie sur Ganegueuil. Ah, qui a tenté de remiser pour Mané. Ce ballon récupéré par Saliusis. Et Ganegueuil mis au sol par Blati Touré. Ah, et là, on retrouve un meilleur Ghana. Et ça se voit tout de suite. Il a de l'impact dans le jeu. Il touche plus de ballons et il est plus proche des buts. Burkinabé. Ouais, là, c'est Blati Touré qui le projette au sol. Et l'arbitre. Avis juste. Dans ces phases arrêtées là, les Sénégalais ont des coups à jouer avec toutes les grandes tailles que l'on a dans cette équipe. Famara Diédjou, Cheikhou Kouyaté. Ouais. Mais même Sadio Mané hein, qui a un très bon joueur. Sadio Mané, oui, qui peut. C'est pas une grande taille, mais qui a une très bonne détente. Il faut mettre à profit ces balles arrêtées là pour faire la différence. Ganegueuil au second poteau, c'est trop fort. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Allez, le Sénégal qui va faire un double changement avec l'entrée en jeu d'Ismaël Assar. Les entrées en jeu d'Ismaël Assar et de Pape Gueye. Pape Gueye à la place de Kalidou Koulibaly. Qu'est-ce que je dis, de Cheikhou Kouyaté. Et puis Ismaël Assar certainement à la place de Bamba Dieng. Voilà, c'est bien C'est Famara Diédjou qui sort. Ah non, c'est Famara Diédjou qui sort. Ouais. Donc ce qui veut dire que Bamba Dieng va se retrouver en pointe. Il est plus Bamba est plus à l'aise dans l'axe. Ouais, c'est ça. C'est son poste de base. Donc Famara, Bamba Dieng va se retrouver dans l'axe, en pointe. Et Ismaël Assar va jouer à son poste habituel. Déjà buteur face au Burkina, Ismaël Assar à Ouagadougou lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et c'est son 10e match ce soir, son 10e match de CAN, sa 42e sélection avec le Sénégal. Blati Touré, Steve Yago vers Farid Ouedraogo. Faut y aller. Ouedraogo qui ne contrôle même pas
Il ne prend aucun risque, Sanogo. Abdou Diallo. Ça, c'est intelligent parce qu'il y avait la course derrière. Bandé face à Ganegueye. Ganegueye qui prend le dessus sur Hassan Bandé. Bamba Dien, attention, il perd ce ballon, de balle au milieu Blati de terrain. Blati Touré Sanogo, le nouvel entrant côté Burkinabé, le centre de Sanogo, renvoyé par Abdou Diallo, puis par Bounassar Ganegueye, avec Ismaël Assar qui touche l'un de ses premiers ballons. Ismaël Assar qui accélère dans le cœur du jeu. Ismaël Assar avec Sadio Mané, Pape Gueye qui temporise. Nampalis, il a une option là-bas avec Bounassar. Non, ouais. Il préfère jouer avec Ganegueye. Bounassar, le centre de Bounassar, il va percuter le centre au premier poteau et c'est renvoyé par Edmond Tapsoba. Là vraiment, le Sénégal est sur un temps fort, il va falloir essayer de concrétiser parce qu'on arrive à contenir les Burkinabés dans leur zone. Mais quand même, attention, perte de balle au milieu de terrain parce que ça peut être dangereux compte tenu de la qualité d'accélération des attaquants burkinabés. Abdou Diallo avec Pape Gueye vers Mané, ballon intercepté par Sanogo qui joue avec Issa Kabore vers Bertrand Traoré qu'on n'a pas beaucoup vu en seconde période, ouais. Le capitaine des étalons. Pourvu que ça dure. Ah oui, Pandé avec Guira. Bertrand devancé par Abdou Diallo. Lui aussi autour d'un match solide, hein, Abdou Diallo. Absolument, absolument. Il est toujours là, ouais. Dans la bonne zone. Ouais. Les Sénégalais ont la possession. Il y a eu déjà 9 corners dans ce match. C'est un match très offensif. Les deux équipes attaquent, même si depuis le début de cette seconde période, c'est le Sénégal qui a légèrement pris le dessus. Blati Touré, le décalage, le centre de Bandé, contré par Bounassar. Kamou Malo, un peu stressé, le coach du Burkina, toujours avec sa bouteille d'eau, Aliou Cissé hyper concentré. Il faut rester concentré sur les balles arrêtées. Et c'est Gustavo Sangaré qui va tirer ce corner des étalons. C'est parti et c'est directement sur Edouard Mendy. Allez, il relance vite pour plus les minutes vont passer, plus la tension va monter. Talusis qui rate sa passe et c'est directement sur Sadio Mané. Il a vu l'appel de Bamba Dien. Non, il préfère jouer avec Ismaël Assar. Ismaël Assar dans la surface. Ismaël Assar, la frappe contrée par Steve Yago. Ballon qui va revenir. Nampalis. Avec Ismaël Assar face à une défense burkinabé bien regroupée. Non, il va essayer de percuter. Et face à Steve Yago, il élimine le centre d'Ismaël Assar, sorti par Tapsoba. Et Nampalis Mendy aussi qui récupère énormément de ballons. Ouais, clairement. Surtout les deuxièmes ballons. Ismaël Assar, il accélère, il est chaud. Hey. Tapsoba qui concède le corner. Voilà, tout de suite l'impact de l'entrée en jeu d'Ismaël Assar sur son côté droit, ce que n'arrivait pas à faire Bamba Dien, ouais. Mais lui il le fait, il provoque. Ouais, c'est un genre là. De couloir atypique. Absolument. Assar, alors que Bamba Dien est un attaquant axial. Ismaël Assar peut aussi jouer en pointe. Ouais, il ne faut pas oublier qu'à Rennes, Christian Gourcuff l'avait fait jouer attaquant de pointe, ce qu'il avait plutôt réussi avec son duo avec Mbaïnian. À Watford aussi, on le fait jouer un peu attaquant de soutien. Le corner à venir avec Bounassar. Bien tiré. Oh là là. Partie de Khalidou Koulibaly. La frappe. Abdou Diallo.
Abdou Diallo. Le but d'Abdou Diallo. Buteur à la 70e minute. Le Sénégal mène par 1-0 devant les étalons du Burkina Faso. Abdou Diallo, toujours ses montées. C'est son deuxième but avec la sélection sénégalaise. Et pour l'instant, il marque le but qui nous permet d'être qualifié pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est Kalidou Koulibaly qui tente la reprise. La reprise. Et Abdou Diallo à l'affût a mis ce ballon au fond. Il se jette dans les bras d'Aliou Cissé. Mais attention quand même, il faut rester concentré. Il reste encore une bonne vingtaine. Là, on revoit le corner. Il y a d'abord une tête d'Abdou Diallo. Hein, c'est repris. Kalidou qui tente la reprise. Abdou qui contrôle. Et puis la frappe en pivot. Avec tenez-vous bien, son pied droit. Ah son ouais. pied droit. Oui, absolument. Magnifique. Abdou Diallo, regardez la reprise tentée par Kalidou Koulibaly. Le contrôle de la cuisse et la frappe derrière en pivot. Et Thierno, c'est le but de la défense. Hein. Le corner tiré par Bouno Sarr. Ouais. La reprise de Koulibaly. Le but signé Abdou Diallo. Absolument. Le joueur du PSG. 13e sélection. Deuxième but sous les couleurs nationales. Et regardez Sadio. Toujours la tête, les gars. La tête. On joue avec la tête. C'est la vrai, joie, le réalisateur la joie du buteur, pas sur ce joie point-là. Démonstrative d'Abdou Diallo et des supporters du 12e Gaïdé. Ouais, absolument. On l'attendait ce but, on le disait, il fallait marquer dans les temps forts. Le Sénégal était dans un temps fort. Ils sont en train de checker pour voir s'il y a faute de main, mais il n'y a pas faute de main. Ouais. Je crois qu'il contrôle avec la cuisse. Ouais, il contrôle avec la cuisse. Ah, et Abdou Diallo et plutôt Sadio Mané... Et en train de demander à Tessama qu'est-ce qui se passe. Ah oui, le but est accordé. Ouais. 1-0 donc pour le Sénégal dans cette demi-finale de Cannes. Mais attention, rien n'est encore fait. Diallo. Rien n'est encore fait, attention, on se gêne. Bandé. Ah, l'intervention de Salusis. Qui se blesse sur cette action. Bandé jouait le ballon, mais finalement, le pied c'est sur Salusis. Ces 5 prochaines minutes vont être extrêmement importantes pour le Sénégal. Parce qu'on sait tous qu'en général, quand les équipes marquent, ce n'est pas le propre du Sénégal. Hein, mais dans les 5 premières minutes après le but, il y a toujours un peu de flottement. Et d'où l'intérêt justement du signe que Sadio Mané faisait tout à l'heure. On joue avec la tête les gars, on joue avec la tête. Abdou Diallo vers Sadio Mané face à Kabore. Mané. Mané qui garde le ballon, il a besoin de soutien. Mané avec Saliou 6. Saliou vers Bambadian. Nampalis Mendy. La frappe de Nampalis directement sur Farid Ouedraogo. Bien joué, bien joué. Même s'il y avait peut-être une solution sur le regard côté. Du président de la CAF, Motsepe. Et de son vice-président. Et de son premier vice-président, Maître Augustin Senghor, qui était présent hier à l'entraînement. C'est ça. Tout comme le ministre des Sports, Matarba, le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow. Ouais. Toutes ces autorités étaient présentes. Abdoulaye Seydou Sow, il ne faut pas oublier qu'il est vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football et c'est le chef de la délégation sénégalaise pour cette CAN. Toutes ces autorités étaient présentes à l'entraînement pour motiver les Lions. Ouais, là, il y a une poussette de Bandé sur Saliou 6. Ouais. Ouais, très très bon match également. Saliou 6, le latéral gauche qui prend un peu une revanche sur les Sénégalais. Lui qui a été victime de critiques parfois très très injustes. Tout comme Cherou Kouyaté d'ailleurs. Et qui aujourd'hui sont devenus les idoles. Puisqu'on a vu hein, sur les réseaux sociaux. Moi j'ai vu des blagues. Alors là, on a un conseil de sécurité de l'ONU pour demander au président Macky Sall de céder Saliou 6. Non mais j'étais mort de rire. Mais c'est bien pour lui, c'est bien pour le joueur. Et c'est même bien pour la suite de sa carrière. Parce que quelque part aussi, il a un peu stagné entre Valenciennes. Parfois des mauvais choix. Parfois des gestes aussi qui ont agacé. Et donc... là, il prouve qu'il a sa place et qu'il mérite la déviation de Bambadian vers Mané. Mané qui résiste face à la charge de Kabore. Et là, il y a une faute. Il y a une faute sur Sadio Mané, même si Kabore n'est pas d'accord avec la décision de Bamlak Tessema. Voilà, on revoit Tiernon. La faute, elle est là. Et c'est Pape Matar Sarr qui s'apprête à faire son entrée en jeu. Ouais, lui, il va. Jusque-là, il n'a pas disputé la moindre minute dans cette CAN. Il va apporter plus de technique aussi au milieu de terrain. Pape Matar Sarr. C'est un joueur qui a une bonne frappe également.
Et là, c'est Bounassar qui s'appuie sur Salusis. Salusis, le centre au second poteau. Le deuxième but, non. C'est dans le petit filet extérieur. Illusion d'optique. On voyait déjà ce ballon au fond, cher. Absolument. C'est peut-être de Pape Alassane Gueye, le milieu de terrain du FC de l'Olympique de Marseille. Là, on revoit Salusis. Bien joué, le centre au second poteau et la tête piquée. Malheureusement, ça touche le petit filet. Là, voilà, il y a eu un effet de surprise. Hein. Les Sénégalais ont surpris les Burkinabés. Ils s'attendaient au centre direct. Sadio Mané, Sadio Mané, le ballon. Mané, le but. Et le deuxième but. Le deuxième but des Lions du Sénégal dans cette demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Après un magnifique travail de Sadio Mané, qui était au pressing, qui a chipé le ballon et qui fait le retrait. Deuxième but des Lions. Absolument. Dans cette demi-finale. Et Tom voilà. Thomas ne comprend pas ce qui lui arrive, lui et son équipe. Le break est fait dans ce match-là. Le Sénégal qui marque le deuxième but avec Cheikh Bamba Gueye pour sa première titularisation. Et regardez le travail extraordinaire de Sadio Mané. Et de Gane Gueye aussi ouais, au départ. Ouais. Qu'est-ce qui marque entre les deux, Bamba Gueye et Gane Gueye? On l'accorde à Bamba, c'est pas grave. Il me semble que c'est Gane Gueye qui marque. On va revoir le ralenti. Ah, y a... Difficile à dire. Il y a doute. Bon, on va dire. C'est Bamba Dieng. Vu la manière avec laquelle il a célébré. Bamba Dieng qui marque son deuxième but en phase finale de Cannes. Et la joie des supporters sénégalais et le Benjamin de l'équipe nationale va faire son entrée en jeu dans quelques minutes. Ouais. Pape Matar Sarr, il n'a que 19 ans et il incarne. Il fait partie de ces joueurs qui incarnent l'avenir du football sénégalais. Et c'est Bamba Dieng qui va céder sa place justement après avoir marqué son but. Le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille. Bamba Dieng, déjà deux buts en sélection et deux buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ah ouais, il demande aux supporters de se mettre en évidence. Et Pape Matar Sarr qui va disputer ses toutes premières minutes dans cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours, il faut à chaque fois regarder l'attitude de Sadio Mané. Après chaque but, il fait le signe. Ah, les gars, on reste concentré, ce n'est pas terminé. On joue avec la tête. On joue avec la tête. Et Pape Matar Sarr a donné une consigne écrite à Pape Gueye de la part du coach. Certainement, il y aura un changement dans l'organisation tactique ouais, du Sénégal. Que, ouais. Ce que je vois Ismaël Assar venir en pointe. Pape Matar va jouer un peu excentré droit. Taboré avec Bertrand Traoré. Salut 6. Ouais. Je pense que l'idée, c'est de toute façon. Les Aliou, quand même, c'est intelligent parce que les Burkinabés vont jeter toute leur force dans la bataille. Ça va libérer des espaces derrière et avec la vitesse d'un Ismaël Assar, il peut faire la différence encore. Ouais. Bravo, coach. Parce que les Burkinabés n'ont plus à se poser des questions. Ouais. Là, quitte à prendre une défaite. Ils vont prendre des risques, voilà. mais des espaces vont se libérer. Vont se libérer, c'est ça. Et les Sénégalais pourront contre-attaquer et porter encore le coup de grâce. Après, à nos gars d'être intelligents aussi, de ne pas commettre d'erreurs. Sadio Mané, Nampalis. Pour utiliser une expression du doyen Dauphin Fall, ne pas donner le bâton pour se faire battre. Ouais. Il faut jouer ce match jusqu'au bout. Et on va en profiter pour saluer la fan zone du côté de Dakar, ouais. Le monument de la Renaissance africaine. Les Sénégalais, les milliers de Sénégalais qui se déplacent là-bas pour aller suivre les Lions de la Teranga. Faites du bruit les gars, faites du bruit. Ouais, faites du bruit qu'on vous entende. Qu'on vous entende jusqu'ici à Yaoundé. Ah ouais. Mais c'est pas encore fini, il reste encore 11 minutes dans le temps réglementaire. Il faut se concentrer, il faut être solidaire, il faut jouer le match jusqu'au coup de sifflet final. C'est parti, c'est très mal tiré de la part de Sanogo, il me semble. La discussion entre Koulibaly et Abdou Diallo, c'est comme ça, il faut beaucoup communiquer. Ah, attention. Kaboré. Je pense que
à 10 minutes de la fin, il faut jouer, il faut relancer tranquillement, ne pas tout de suite aller chercher des balles longues, parce que le parfois pressing. Ils sont... Ouais, le pressing de Ghana sur ouais. Bertrand. Et regardez Bertrand qui redevient meneur de jeu. Attention à ce ballon, ouais. Tentative de lob. C'est ça, il faut rester concentré. Et un changement qui se prépare côté Burkinabé. Ouais, avec la sortie du numéro 19, Bourema Bandé, qui a fait quand même un bon match, mais qui avait un sacré client en face, en l'occurrence Salif 6. Alors, ça parle. Allez, Bandé qui va céder sa place. Donc, à Djibril Cheikh Ouattara. Et ensuite. Ouais. Abdoul Tapsoba. Tapsoba. Ouais. C'est un autre Tapsoba. Il va céder sa place. Ah, Hassan. Non, c'est pas. Ouais, Djibril Cheikh Ouattara qui joue ouais. À la RS Berkane. Voilà, au... c'est ça, Cheikh Ouattara. Au Maroc. Donc, c'est plutôt Ibrahim Touré. Guira, c'est Guira, le. Ouais, Guira qui cède sa place. Adama Guira, à le Djibril vétéran. Ouattara. Le vétéran de cette équipe burkinabé. Voilà Traoré, je pense qu'il va jouer en pointe. On va essayer de toucher Bertrand Traoré pour utiliser sa technique. Pape Gueye, devancé par le nouvel entrant côté burkinabé. Comment Sangaré. Ismaël Sarr vient défendre. Kabore avec Bertrand Sangaré. Voilà, c'est ça, il va se retrouver dans le cœur du jeu. Koulibaly, Impérial, Nampalis vers Pape Gueye. Pape Gueye qui lance Mané. Mané face à Issoufou, Dayo, le 1 contre 1. Mané vers Bamba Dieng. Ah, il a perdu ses appuis. Ismaël Sarr. Bertrand Traoré. Traoré qui change de direction. Ouais, c'est une de ses grandes capacités. Il s'appuie sur Kabore, monté aux avant-postes. Le centre de Kabore. Et oh. Le but burkinabé signé Blati Touré à la 82e minute. Voilà. Et quand on vous disait hein, les cinq premières minutes après l'ouverture du score, regardez le replacement dans l'entrejeu de Bertrand Traoré tout de suite parce qu'il est capable d'éliminer, de provoquer cette capacité à tout de suite changer de direction. Ouais. Et l'énervement, hein, Edouard Mendy qui est énervé. Ah, peut-être qu'il y a eu un manque de concentration, peut-être aussi une erreur de marquage sur ce retrait. Ah oui, Blati Touré qui devance Ghana Gueye. Ghana Gueye. Qui lâche un peu le marquage sur le maître à jouer. La marque du genou. Ouais. Joueur très intéressant ce Blati Touré là. On le rappelle trois fois homme du match dans cette CAN. Les Burkinabés qui vont essayer de prendre le maximum de risques. Jouer le tout pour le tout dans ces dernières minutes. Ouais. C'est aux Sénégalais d'être vigilants. Absolument. Je disais tout à l'heure, quitte à perdre. Hein, se jeter corps et âme dans la bataille. Abdou Diallo vers Mané, Dayo, Bertrand avec Blati Touré, pressé par Ghana Gueye, Yago, Sanogo. Sanogo ouais. Qui garde le ballon, ouais, ça se perd un peu dans ses dribbles, pressé par Ismaël Assar, Dayo vers Issa Kabore. Kabore, le centre de Kabore, contré par Mané, mais ça arrive dans la surface. Bertrand Traoré qui est venu se jeter, Koulibaly, Ismaël Assar. Les Burkinabés qui réclament une faute de main de Ismaël Assar dans la surface. Non, le ballon, il touche d'abord le ballon, ça c'est le règlement. Ils doivent le savoir, le ballon touche d'abord une partie de son corps. Ouais, avant de toucher la main. Et ça s'emballe, dans ces dernières minutes. Ouais. Bertrand Traoré, voilà, le Sadio pressing Mané. De Mané, Pape Gueye, avec Ismaël Assar. Ismaël Assar, le tacle de Steve Yago. Pape Gueye, Nampalis, vers Ismaël Assar, il a du champ, Speedy Iso. Ouais, c'est pas Matar Sarr. Plutôt Pape Matar Sarr, oui. L'autre Sarren, ah, Ismaël Assar est dans la surface, la frappe de Pape Gueye à côté. Ah,
Ouais, en plus, il n'y a même pas main. Ah, c'était plutôt pas Matar Sarr, hein, ouais. Ismaël Assar dans la surface. Il n'y a même pas main. Le ballon touche la cuisse et le menton. Pas Matar Sarr, le voilà. Ouais, à 19 ans, il a eu la chance de disputer cette demi-finale de Cannes. Absolument. Et il est là pour son talent. Allez. Donc 5 minutes dans le temps réglementaire. Sangaré. Sangaré. Voilà. Ah, joli contrôle. Magnifique. Joli contrôle. Là, on recherche devant Abdoul Tapsoba et Kamou Malou. Ah oui, c'est Djibril Cheikh Ouattara qui a réussi ce joli contrôle tout à l'heure. Lui qui joue à la RS Berkane, 22 ans. J'ai vu Aliou lancer Pape Abdou Cissé pour qu'il aille s'échauffer. Là, on revoit le but. Allez, quand on vous dit les centres en retrait. Allez. Il est venu de loin, hein, Blati Touré. Il est venu de loin. Edouard Mendy est pris à contre-pied. Il ne peut rien faire. Le deuxième but concédé par les Sénégalais dans cette CAN. Oui, c'est ça. De toute façon, on savait que ça arriverait. Hein. Maintenant, c'est à des moments où, pour l'instant, le Sénégal gère bien. Mais là, les Lions vont passer 5, 6, 7 bonnes minutes qui vont être extrêmement dures. Et c'est là où il va falloir faire parler l'expérience. Ouais. Regardez Ghana tout de suite qui harcèle le porteur du ballon. Mais il y a ce diable de Bertrand Traoré. Sangaré. Sangaré qui joue long. Sanogo battu dans le duel par Koulibaly. Mais dans deux joueurs, Ismaël Assar qui lance Sadio Mané. Sadio Mané qui se présente devant Farid Ouédraogo. Mané, et le troisième but. Quel but de Sadio Mané. 3-1. 3-1 pour les Lions du Sénégal. La Mésédite dans ce match. Et tout le banc s'est levé pour venir féliciter Sadio Mané après cette merveille de Pichenet. Et surtout cette magnifique contre-attaque et la passe décisive de Pape Matar Sarr qui a eu l'intelligence de ne pas trop porter le ballon au risque de retrouver Sadio Mané hors jeu. Il a eu une touche et la passe dans la profondeur à une vitesse telle que même les défenseurs ne pouvaient rien faire sur ce ballon. La déception de Tapsoba et du supporter qu'on a vu tout à l'heure. Farid Ouédraogo, lui aussi très déçu après ce but de Sadio Mané. Regardez, ça part d'une mésentente entre Tapsoba et Blati Touré. Et Ismaël Assar, tout de suite, qui voit Sadio Mané. C'est bien lui, c'est Ismaël Assar qui donne. Et la pichenette, la merveille de pichenette de Sadio Mané. La palette technique du joueur, de l'enfant de Bombali. Et c'est son huitième but en phase finale de Cannes. Son troisième dans cette compétition. Le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe d'Afrique. Absolument. Mais 29e but en sélection. Il n'est plus qu'à 2 unités du record détenu par Henri Camara depuis plusieurs années. Ouais, et on va prier pour qu'il égale au moins ce record dans cette CAN. Il reste encore un match extrêmement important. Il peut égaler le record d'Henri Camara, mais je suis sûr que dans un coin de sa tête, ce n'est pas ce record qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la belle dame en or. Il l'a dit Sadio Mané, ce qui l'intéresse cette année, c'est d'aller chercher ce trophée continental. Ouais. Alors voilà, Sadio Mané, qui demande à tout le monde de rester concentré. C'est pas terminé, il faut encore courir. 3-1, c'est déjà le même score que lors du quart de finale contre la Guinée équatoriale. Et c'était le même score en 2000, à la CAN 2000. 3-1 pour le Sénégal. Attention. Devant cette équipe du Burkina, même si c'est pas encore terminé, Nampalisse. Avec Sadio Mané. Sadio Mané. Il nous régale. Sadio Mané. Oh, l'arbitre qui ne siffle quel pas la talent. Faute. Oh, il y a faute, monsieur l'arbitre. Il ne siffle pas la faute. Sangaré avec Bertrand Traoré. Il faut rester dans le match. Attention, Sadio qui est resté au sol. Tapsoba. Sadio qui est resté au sol. Tapsoba, le centre, et c'est Pape Matar Sarr qui dégage comme il peut et il concède le corner. Ouais, Sadio qui était resté au sol, mais je pense que c'est surtout la déception de ne pas, avoir vu l'arbitre siffler. Il a pris un tampon. Ouais. Étant donné qu'il est très costaud, puissant, il se relève. Ah, ils vont se battre jusqu'au bout, les étalons. Pour eux, ce n'est pas encore terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Au second poteau, pour personne, c'est une sortie de but. Trop fort.
Les Burkinabés ont tout donné dans ce match. Ouais. Et face à une armada offensive dont parlait Kamou Malo hier en conférence de presse. Ouais. Face à cette armada offensive sénégalaise, c'était difficile d'échapper à ces buts. Trois minutes de temps additionnel. Et Aliou qui va faire Abdou, faire rentrer Pape Abdou Cissé. Je pense que c'est peut-être pour renforcer un peu. Sadio qui continue ce pressing, Kaboré. Ça repart côté Burkinabé, mauvaise passe. Salut 6 avec Pape Gueye. Ismaël Assar avec Pape Matar Sarr de l'autre côté. Allez, Matar voilà. Sarr. Pas la peine de se précipiter, voilà. Pape Matar vers l'expérience. Sarr. Exactement. Nampalis Mendy. Kanegueï. Bounassar. Pour Ismaïla. Ismaïla. Pape Matar. Qui réussit le coup de sombrero face à Plati. Là, il a voulu faire la roulette à la Zizou. Les Burkinabés qui vont partir en contre. Il n'y a pas de position de hors-jeu selon l'arbitre de touche. Et là, ça mêle un peu les pinceaux. Et regardez, c'est maintenant que l'arbitre signale la position de hors-jeu. Et pourtant, il a accompagné. Il est en retard lui aussi. Ouais, ouais. Et là, le changement, c'est Nampalis Mendy qui va céder sa place à Pape Abdou Cissé. Aliou va jouer avec une défense à 5. Là, on revoit la bonne défense d'Aliou. Bon, il y avait 6 mètres de toute façon, mais c'est l'hors-jeu. Il attend. Pape Abdou Cissé va prendre la place de Nampalis Mendy. Aliou Cissé va fermer la porte et jeter la clé derrière le stade Amadou Ahidjo. Et Pape Abdou, c'est son troisième match. Hein, lui qui a joué les deux premiers matchs en l'absence de Kalidou Koulibaly. Pape Matar, la déviation vers Ismaël Assar. Ismaël Assar avec Pape Abdou Cissé qui touche son premier ballon. La talonnade de Pape Gueye. Salut 6, un peu court. Bertrand Traoré, hey, bien accompagné par Pape Abdou Cissé. Oh non, monsieur l'arbitre. Oh non, c'est pas possible ça. C'est un tacle, tout le monde a vu qu'il joue le ballon. Oh non. Bamlak Tessema qui sort le carton jaune pour Pape Abdou Cissé. Mais regardez, c'est un tacle, il joue le ballon. C'est un magnifique tacle. Dans le championnat anglais, on voit ça tous les dimanches et les samedis. C'est pas possible. On ne peut pas être. Il joue le ballon, il a raison. Il reste encore moins de 30 secondes dans le temps additionnel. Sangaré qui met dans la surface, ballon renvoyé par Pape Abdou Cissé. Ça revient. Et la sortie de Edouard Mendy qui va soulager tout le monde. Allez, 15 secondes à jouer dans ce temps. Le Sénégal qui s'achemine tout droit vers sa troisième finale. Et vraiment, je ne suis pas d'accord. Le Sénégal ne s'achemine pas. Le Sénégal y est. Ah ouais, on va prendre toutes les précautions et la tiens au drame. On y est. Le Sénégal y est. Qui s'achemine donc tout droit vers sa troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est fini. Les Lions sont en finale de la CAN 2021 après une brillante victoire devant le Burkina Faso. L'accolade entre Sadio Mané et Kamou Malo. Ah, et Kamou Malo qui reçoit également le respect d'Aliou Cissé. Ce sont deux coachs locaux et c'est important qu'on fasse. Comment dirais-je, c'est important qu'on leur donne du crédit parce qu'ils ont de l'expertise. On l'a vu dans cette demi-finale, il y avait deux coachs issus du CRU, la déception de Top Soba. Ah, c'est normal qu'ils soient déçus. Ils ont fait un parcours extraordinaire chez Burkinabé. Ils ont perdu contre le Cameroun en ayant fait un très très gros match. Sinon derrière, ils se sont rattrapés contre le Cap-Vert, contre l'Éthiopie. Un match héroïque contre la Tunisie, même s'il y a eu cette séance de tir au but contre le Gabon. Ils ont fait un excellent match. Aliou Cissé qui réussit l'exploit, qualifier le Sénégal à deux finales de CAN consécutives. Il fallait le faire. Il fallait le faire, exactement.
Aliou qui a subi énormément de critiques. Mais c'est normal, c'est des critiques constructives. Lui-même a fini par comprendre que ce n'est ni de la méchanceté, des critiques qui s'imposaient à l'époque aussi, ni une volonté de le nuire. Il y avait eu des moments, les Sénégalais ont raison d'être exigeants. Quand vous avez le meilleur gardien du monde, quand vous avez le meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs au monde, un des meilleurs milieux de terrain, vous avez l'un des meilleurs attaquants au monde, sinon le meilleur ailier, il est normal que les gens soient plus exigeants dans le jeu produit par les Lions du Sénégal. Mais on l'a vu, dans cette CAN, on démarre avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de contraintes liées au Covid, aux blessures, mais l'équipe se construit tout doucement. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est une victoire, c'est une qualification. Et la tape amicale de Koulibaly, ouais, qui est certainement en train de rappeler à Pamlak Tessema le carton jaune du Caire qui lui avait privé la finale. Le Sénégal qui marche sur les traces de l'Égypte, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Ghana, tous ces pays-là qui ont enchaîné des finales de Coupe d'Afrique, parfois deux fois, parfois trois fois. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une finale, c'est vrai, qui va se jouer au Cameroun, ça ne va pas être évident, mais le plus important, comme on dit, je pense qu'ils y ont été une fois. Ils savent maintenant comment faire pour gagner une finale. Ils ont su comment y aller. Ils sont arrivés une fois, ils sont arrivés une deuxième fois. Ils savent. On ne va évidemment pas être prétentieux au point de penser que la Coupe est déjà remportée. Il reste encore un très gros match à livrer contre soit l'Égypte, soit le Cameroun. Mais quel que soit l'adversaire, ce sera un gros adversaire et il faudra mettre les bouchées doubles pour gagner ce trophée. Ouais, il va falloir sortir un gros match. Le 6 février à 20h, soit face à l'Égypte, soit face au Cameroun. La joie de Keita Diao Baldé. Qui a un très bon esprit. Il est sur le banc, mais on le voit à l'entraînement, ouais, chambrer ses coéquipiers, ouais, mettre de l'ambiance. Il chambre tout le monde, même, ouais, les journalistes parfois, il lui arrive de les chambrer et tout. Ouais. C'est un joueur qui a un esprit très positif et c'est important dans un groupe d'avoir ce genre de joueur-là. Ouais, tout de même, il a été rappelé à l'ordre par le jury disciplinaire de la CAF, lui et Salut 6, après les débordements du match contre la Guinée équatoriale dans le vestiaire. Et là, c'est une très belle victoire de cette équipe du Sénégal qui se qualifie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Burkinabés déçus, ouais, mais qui sont allés remercier leurs supporters qui s'étaient mobilisés ce soir. Les Sénégalais en ont fait de même. Ouais. Allez, Kaza et 12e Guindé ont joué leur partition tout au long de cette CAN, tout au long aussi de cette partie. Je ne sais pas qui sera le prochain. Et là, Diouf et Abdou Diallo, deux compagnons de jeu, on les voit toujours à l'entraînement. Ils sont très complices. Absolument. Les deux. On les voit souvent faire des séries de jonglage et tout. Absolument. Toujours ensemble. Se lancer des défis lors des séances d'entraînement. Mais Ibrahim, je disais, je ne sais pas qui sera le prochain adversaire du Burkina, mais il a un sacré client devant. Ouais. Entre que ce soit l'Égypte ou le Cameroun, le Burkina, ce Burkina-là, s'il continue à progresser, c'est une équipe qui va être très très forte dans l'avenir. Parce qu'on l'a dit, c'est une équipe très jeune. Bertrand Traoré qu'on a vu, il a 26 ans. Ouais. Donc il a encore sa carrière devant lui, hein, il a encore le temps de mûrir. Et à côté, il y a de très très bons joueurs également. C'est une équipe qui va faire beaucoup de mal dans l'avenir. Ouais. Et la déception dans le camp des étalons, la joie dans le camp sénégalais. C'est ça la dramaturgie du football. Sadio Mané accompagné par des applaudissements, tout comme Edou Mendy. Et surtout François Seck. Je pense que c'est Sadio Mané qui est homme du match. Est en bordure de terrain pour les flash interviews. Et les joueurs vont regagner le vestiaire. Sadio est homme du match. Ah oui, et regardez pas Matar Sarr qui va offrir son maillot. Ah, Sadio Mané mérite amplement ce trophée pour l'ensemble de son œuvre. Buteur, passeur décisif. Ah, et surtout, vraiment sur le deuxième but, comment il trompe le défenseur burkinabé pour aller récupérer ce ballon et faire la passe à... Ce soir, il signe non seulement son 29e but en sélection, mais sa 23e passe décisive. Meilleur buteur et meilleur passeur. Non, 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 si on avait pu tuer le match avant, on l'aurait fait. Après, on est tombé sur une belle équipe, ils se sont battus jusqu'au bout. Et puis nous, on a su faire la différence quand il fallait. Quand tu as marqué le but, tu as pensé à quoi? Ah, c'était une fierté. Franchement, c'était une fierté. Déjà, en match de poule, j'avais les occasions pour marquer. Donc, je l'attendais. Et puis, non, j'étais content, surtout que c'était libérateur. C'était le premier but du match. Alors, pour la suite, qu'est-ce que vous... On va bien se reposer.
important, bien se préparer et essayer d'aller décrocher ce titre. Alors, le Sénégal avait joué la finale il y a 2 ans. Cette fois-ci encore, on rejoue la finale. De se battre jusqu'au bout, de mouiller le maillot et tout donner pour le peuple. Merci. Merci à vous. Burkina Faso, Sénégal. Il fait un super match, Sadio Mané. Alors nous sommes avec Gane Gueye, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a fait la différence? Un match très compliqué. On a été efficace, on savait qu'on avait beaucoup plus d'expérience qu'eux. Et on a joué sur ça, on est resté patient, travailler en équipe et essayer de partir en contre-attaque et marquer ces buts-là qui nous ont permis de gagner le match aujourd'hui. Alors, vous avez fait match nul à la première période. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le vestiaire? Le coach a dit de continuer ce qu'on fait et surtout de ne plus aller les chercher plus haut, qu'on reste en bloc, qu'on les attende, qu'ils essaient de sortir avec le ballon. Comme ça, une fois qu'on récupère le ballon, on aura plus d'espace derrière et c'est ce qu'on a fait. Parce que quand on avait le ballon, ils restaient trop dans leur camp, donc il y avait moins de solutions pour nous. Donc on les a laissés venir pour ensuite exploiter les contre-attaques. Et le but encaissé? On menait 2-0, on va dire que tout le monde avait envie de marquer ce troisième but-là, donc tout le monde a attaqué en pensant qu'on allait finir l'action, mais malheureusement, ils sont repartis tout de suite de l'autre côté. Mais voilà, avec un peu plus d'expérience, on aurait dû faire une faute plus haut pour arrêter le jeu, mais voilà, c'est un but encaissé, mais derrière, on a pu marquer ce troisième but qui nous a permis de gagner le match. Un mot en wolof pour les Sénégalais qui vous écoutent. Dylan Remessé Bouba, content de l'introp sur la qualification finale, mais bon, Dieh Agoul. Je pense qu'il était fort, l'un de nous qui a pris le coup, c'est ce qu'on a fait. Si le commencement de la Ligue est maintenant, mais les gens ont projeté au bail, continuer de liguer. Comme si nous sommes comme si nous équipe, voilà. Comme on est une équipe groupe, on a gagné bon niveau au final. Comme on est une arrière gagné quand même, on a gagné le montage. Très content d'être là. Bien remercié Bouba. Merci Gana. Alors là, je suis avec Sadio Mané qui a été élu homme du match. Félicitations. Portez sa masque. Merci, Sadio. Merci. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Je pense que on a su gérer notre calme du début jusqu'à la fin. On savait que dès le début, ça n'allait pas être facile parce que c'est une demi-finale de la CAN et aussi on avait en face de nous une belle équipe burkinabaise et qui nous a créé pas mal de problèmes. Mais bon, on a été mature du début jusqu'à la fin. On a été costaud aussi derrière. Du coup, on s'est créé pas mal d'occasions en gardant notre calme et essayer de jouer notre football. Et du coup, on a marqué 3 buts, donc je pense qu'on méritait de gagner ce soir, honnêtement. Alors, homme du match au premier match, homme du match aujourd'hui, vous avez marqué encore. Qu'est-ce que ça fait? J'espère qu'on a l'habitude de dire, il n'y a jamais 203, donc on verra en finale aussi. Ouais, écoutez. Alors, un mot associé pour les habitants de Bangali? Bien sûr, mais malombe mbe mu fam fala mbe kazma sunkol be konton mbe jayla surtout wulu ta dami bambali ngel do ajale mba fala e continue do akafu ni ala santa mbe ko potala ñu inshallah. Merci Sadio. Alors, la rencontre n'a pas été facile, mais vous vous êtes bien battu. Alors, dites-nous, est-ce que vous vous attendiez à une telle éventualité? Oui, bien sûr. C'est une demi-finale de Coupe d'Afrique. On s'attendait à un match difficile. Voilà, c'était pas une surprise pour nous. Le match était assez compliqué. Je pense qu'on a fait une bonne première période. En deuxième mi-temps, on commence un peu timidement la deuxième mi-temps.